Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous regardez sur YouTube, et là on est en direct sur Twitch. J'ai profité de ce superbe générique réalisé par moi-même à l'aide d'un template tout fait, et en volant des images sur internet comme tout le monde sait le faire, pour me rappeler que j'avais oublié d'aller chercher le manuel, donc j'en ai profité pour le prendre. Ça fait extrêmement plaisir. On va donc pouvoir commencer dans la joie et la volupté cette session, et je rejoins donc mes camarades sur Discord. Et rebonsoir. Salut. Comme je le disais, j'avais complètement oublié le manuel de l'aventure. Mais c'est bon, je l'ai retrouvé. Du coup, très bien. Donc effectivement, pour rappel, vous étiez devant cette... vous n'étiez pas du tout là où je montre, sur l'écran. Vous étiez toujours dans les ruines d'Arbefoudre. Devant la maison des Guignolos. La maison des Guignolos, comme il l'appelle effectivement. Le gang des Guignolos. Vous les avez nommés ainsi. Il s'était réfugié à l'intérieur après que Krouss qui est grogné et qu'ils aient entendu diverses menaces de la part de votre groupe, ce qui les avait tout de même apeurés, et donc ils sont réfugiés à l'intérieur de leur maison. C'est une histoire de dire bonjour. Hein. Pas dans leur coutume, et du coup ils ont eu peur et ils se sont terrés. Donc ils portent des masques, quoi. Ils sont terrés dans leur petite maisonnée. Ils sont pas ouverts aux étrangers. Moi-même, en tant que samouraï, je peux porter des masques. Peut-être que... Après, je comprends rien à votre pays, je dois avouer que des fois, c'est un peu étrange. Est-ce que nous allons voir ce dragon, ou est-ce que nous arrêtons ici pour cette quête de cet étrange village? Ils sont niveau 2, ils veulent aller voir un dragon. Renard, quoi, ouais. Mais le renard, c'est aller on va au dragon, quoi. Non, le dragon, de ce que j'ai compris, le dragon, c'est en face de la maison aux araignées, là. Ouais, bah j'ai... Tout à fait. Ah, c'est ça. Mais là, on n'y est pas allé. Il reste 2-3 maisons au-dessus de nous, donc... Merci Roland pour ton follow, ouais, bienvenue à toi. On n'y est pas allé, ouais. Bon, bah, je te suis... J'ai coupé les alertes. On va voir le dragon directement ou est-ce qu'on va pas se reposer un petit peu avant? J'ai coupé les alertes sur cette scène. Pas que ça dérange. Mais merci. Je serais d'aller se reposer une fois qu'on a fini l'exploration, quoi. Sinon, je tape à la porte de l'autre là. Ah, j'ai encore oublié. On va l'appeler Redo. 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 Chili Peps. Ouais, je peux lui demander de nous héberger pour une nuit. Il est parti. C'est vrai. On l'a vu partir gambader en écureuil. Il était effectivement particulier, des cerises a priori. Il en raffole. Ça nous fera le repas de ce soir en plus. Il est vraiment gentil, ce druide. Ah, c'est un bonbon, grand, c'est un bonbon. Peut-être un peu bourru, mais une fois qu'on apprend à le connaître. Je me rapproche du coup de cette maison abandonnée en attendant à trouver soit des buissons, soit des zombies cendrés. Et ben en vous approchant, vous voyez qu'elle est un peu en piteux état et qu'il y a un tas de déchets qui jonchent l'intérieur de vraiment cette bâtisse qui est en ruine et un métier à tisser brisé se dresse dans un angle. Un métier à tisser, intéressant. Ah bon. Allez, on y va. Vous êtes vous-même tisseur, Ularis? Non, du tout. Mais sait-on jamais. Il y a une porte à côté de moi, là? Non, enfin celle par laquelle tu es rentré, mais à part ça, non. Ici, là. Non. C'est pas de ce côté-là? Bah, je vous laisse fouiller la pièce, moi je vais faire mon petit tour de maison habituel. Bon, allez. Pour surveiller un petit peu. Voir s'il n'y a pas des trucs cachés ou... Allez, pour une fois, je t'accompagne. Non, mais moi, je fais un petit tour dans la maison, du coup, s'il y en a qui font... Ouais, j'ai la fouiller. Ouais, je vais fouiller aussi. Et bah, vous pouvez tous les trois me faire un jet de perception. C'est bon, tout est clair. Hop, je vais me poster devant et je... Ça commence bien. Vous êtes très très fort puisque vous trouvez tout autour de vous des buissons malades et vous allez me lancer l'initiative.
Ah, les buissons, ça faisait longtemps. Vous avez de la chance, ils ne vous ont pas du coup surpris. Alors Léo, je vais te mettre, ou je vais plutôt déplacer l'autre. Hop. Je vais le mettre là. Et toi, au moment où t'as vu ça, t'étais plutôt là-bas. Et toi, Kazuga, je sais plus où t'étais, mais on va dire que t'étais là. Entrée pour surveiller l'entrée. Forme mon perso ce soir. Et voilà, vous faites encore des jets de fou. Vous m'énervez. Ah non, regarde le mien. Non, mais je vais copier un stream bien sympathique que j'ai trouvé où en fait les viewers peuvent dépenser des points de chaîne afin de mettre des malus aux aventuriers. On va peut-être faire ça. Il y a également des bonus, mais c'est toujours plus marrant de mettre des malus. Je verrai si ça le dérange que je prenne son idée. Et voilà. Du coup, peut-être dès la semaine prochaine des malus. Attention. Non. Alors Afir, du coup, tout simplement, t'es en train de fouiller, tu dresses des cailloux, tu essayes de gérer des, enfin pousser des choses, de fouiller un peu, et tu t'aperçois en poussant un peu des feuillages que en fait ils te résistent et ils commencent un peu à te croquer l'avant-bras. Que fais-tu? Ah, vil malandrin. Salut Cyberange. Merci pour ton flow. Un coup de rapière. 21. Oh non, 21, tu vas toucher. Je touche 9 dégâts. Sur lequel? Celui du dessous. Très bien, celui de dessous meurt. Ouais, Vitoli. Krusk, tu ne sais pas ce qui se passe. Exactement, du coup j'en profitais d'être tout seul pour aller taper un somme. Très bien. Léo. Voilà. Eh ben, je vais taper les vides buissons qui m'agressent. Je vais taper sur celui-là, là, celui en bas, je me décale. Ah non, je me décale pas du coup. Hop. Un petit coup. Et puis ils s'en vont, j'imagine. Voilà. Non, celui ici, là, celui-là. C'est ça. Et puis il y a la flamme qui rebondit sur celui d'en dessous. Quoi? C'est passif? Non, c'est... Alors, le sort, c'est ça, la description. Ah oui, mais tu le... D'accord, mais tu me dis, en fait, je lance mon sort. Alors, c'est après une attaque, tu le fais en réaction, c'est ça? Non, en fait, c'est l'action, c'est attaquer, en fait. Genre, la composante somatique du sort, c'est l'attaque. D'accord. Très bien, très bien. Eh bien, ça rebondit pour 3 de dégâts, et vu qu'il est vulnérable, il va également mourir. Mais... Boom. Alors, attends, est-ce qu'il y en avait un sous Léo? Sous la fière? Non. Et sous Léo? Non, c'est bon. Ça serait dommage d'interrompre la phase de Krusk. Il y en a deux qui vont, oh là là, te griffer pour combien au total? 7 points de dégâts. Mon cher Léo. Ouais. Il te saute dessus, il y en a un qui te saute sur le dos et qui commence à te mettre des coups de branche sur les oreilles. Et l'autre, il en profite pour te griffer les tibias. Tu es vraiment encerclé de toutes parts. Et le dernier... Visage dérangeant sur celui-là, donc du coup, il est en désavantage. Sur celui qui est sur toi, là Ouais, celui qui m'attaque, ouais. Et c'est quoi? C'est une réaction? Il y a mon visage qui se modèle et de façon... c'est une réaction. Vous pouvez effectuer un jet d'attaque. Tu peux me montrer... Ah oui, je peux. Tu peux m'envoyer le sort, s'il te plaît? Que je vois si vraiment une plante en aurait quelque chose à branler. Utilisez votre réaction, voilà. C'est dès que je prends une attaque, je peux faire ça. De toute façon, ce trait révèle votre intuition. Ah. Bon, bah du coup, Léo, tu trouves ça un peu bizarre que Afir change de visage comme ça? Non, c'est... Léo voit ça. Voilà. Ça te semble c'est un peu... Qui se modèle, déforme, reforme, et ça a l'air de déranger un petit peu l'ennemi qui me regarde, on va dire. Ouais, tu vois son visage qui fait un peu, tu sais, un glitch, et voilà, ça fait un peu chaud. Ça, ouais. Intéressant. Et du coup, tu seras sauvé de cette terrible griffe. Tu vois qu'il y a un coup qui allait te fouetter en plein visage et te faire une... Oh là là, une éraflure d'une puissance mortelle. Mais la vile créature va arrêter son attaque à ce moment-là. Et en fait, oui, c'est vrai que ce combat, c'est tellement ridicule que je ne pense jamais à mettre un peu de musique. Mais allons-y. Tu nous as envoyé le lien pour... C'est toujours le même, je crois. C'est toujours le même, ouais. Cette musique, voilà, cette... Ah oui, on l'entend en double, putain. Oh, c'est chez... Voilà, on va mettre ça. Et puis, Kazuga. Tu entends...
tu entends Léo à l'intérieur qui fait « Aïe, aïe, non, laissez-moi, au secours !» Voilà, un peu a priori. Je me dirige dans la maison et je toise ces quatre adversaires. Et sans prendre trop d'efforts... Ton sein est très fortement peut-être, ce country en niveau. Un peu lassé de ne pas avoir des adversaires à ma taille. J'envoie quelques coups de katana. Mais pas forcément... Je préfère leur mettre des combats plus compliqués que de nerfer leur capacité. Même s'ils restent toujours précis dans le mouvement, bien évidemment. Pardon, je suis en normal. C'est le 16. Eh bien, ça touche, puisque ces créatures sont assez faibles, somme toute. Il n'aura pas de mal à l'atteindre. Et à la débroussailler, encore une fois, plein de feuilles qui volent dans tous les sens. Le sort épée de flamme verte est vraiment est en train de rendre dingue la communauté des 5, car il est beaucoup trop fort. Bah, c'est vrai que ouais, c'est une attaque qui te donne une sorte d'attaque de main en plus, quoi. Alors, excuse-moi, tu attaques celui-là aussi? Ou juste tu te dépasses? Je me rapproche d'elle en vue de l'attaquer au prochain tour. Ok, alors pense juste à t'avancer avec Alt quand tu déposes ton pion pour te mettre entre deux cases, sinon tu es superposé avec et c'est pas très gentil. Elenae. Eh ben moi je vais faire rentrer feu. C'est vrai que D&D et pas beaucoup stream, on tombe souvent sur les têtes connues. Tac. J'avoue que moi je regarde pas trop le stream. Lequel? Je te les ping en plus, celui-là. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai un stream en même temps, il y a des gens qui parlent, c'est chaud. Ah, merci. Il n'y a pas de souci. Très bien. Eh bien, vous le voyez, effectivement, toutes ces feuilles qui brûlent, et il tombe, tu l'as séché sur place. Vous pourrez vous en servir de petit bois si jamais vous souhaitez monter un peu de camp. Bah, il sera brûlé, non? Non, c'est ces feuilles qui ont brûlé. Lui, le bois, il a été juste séché. Okay. Afir. Eh ben je vais oxyre l'adversaire qui est vers moi. Tu vas tenter d'oxyre. Je vais tenter d'oxyre, effectivement. Ah bah oui, effectivement. Tu n'oxyras personne, puisque cet arbuste est un peu plus touffu que les autres. Du coup, quand tu piques avec ta rapière, tu essaies de choper le bois, mais tu n'as que de la touffure, si je puis me permettre. Voilà, tu ne toucheras que des feuilles et... Krusque, toujours en mode sieste? Ben, comme action, moi je vais ronfler. Très bien. Et du coup, vous voyez vraiment. En fait, vous entendez surtout Krusque qui dort. Alors, vous le voyez un peu parce qu'il y a des petits trous à travers le mur, quand même, c'est vraiment en ruine. Et voilà. Et à chaque ronflement, il y a des petits gravats qui résonnent. Enfin, il fait résonner un peu le mur, et du coup, il y a des petits gravats qui tombent un peu du mur. Alors, rien de bien méchant, il ne va pas faire écrouler la bâtisse, mais voilà. Oui, parce que c'est plus du ronflement en mode camionneur que ronflement en mode... voilà. C'est ça, on sent qu'il y a du coffre, il y a de la caisse de résonance, quoi. Léo. Et de l'alcool. Et de l'alcool, beaucoup d'alcool surtout. Et beaucoup d'alcool. Est-ce que je sais pas, il ronfle par où, la Krusque? Parce qu'on l'entend à peu près à travers le mur pour claquer le monstre contre le mur où il dort. Tu entends clairement que ça vient de là, de toute façon, assez bruyant. Ouais, et comme je dis, tu peux la voir un peu à travers, parce que la bâtisse est en ruine, donc des fois il manque un peu des pierres et tout, on voit légèrement dehors. Mais du coup, je m'approche, je vais tenter de choper l'arbuste pour le claquer contre le mur, ce mur-là, pour réveiller Krusque. Répète-moi. Je tente de choper l'arbuste pour le claquer contre le mur, pour réveiller Krusque, avec le choc. Très bien, bah fais-moi un jet de force. Ah non, ça c'est toujours... La créature résiste avec un magnifique 5, je ne pensais pas y parvenir, mais... Elle t'a vaincu. En fait, pareil, en fait, au moment où tu chopes la brindille, tu tires, mais tu serres pas assez fort, du coup, tu ne fais que arracher quelques feuilles. Mais tu n'abîmeras pas son beau corps de bois. Du coup, elle va essayer de se venger en te griffant. Elle y parviendra pour 2 points de dégâts. C'est quoi, t'avais des points de vie temporaires pour pas avoir pris les dégâts d'avant, hein? Oui. Avec j'en ai marre de tes personnages. Je vais vous rajouter 1000 créatures à chaque combat. Oui, c'est... Bah voilà, du coup. Très bien. Eh bien, Kazuga, Tetsuo, c'est à toi. Avec le plat de mon épée, je repousse le bout de bois calciné qui est devant moi. Je passe à côté de Léo. Et toujours très sérieux, mais toujours aussi un peu... disons que la lame est un peu traînante. Je mets un petit coup sur l'arbuste pour finir ce combat, qui a déjà beaucoup trop duré. Très bien. Dit-il.
Et je sais pas si t'es un peu plus loin que du micro que d'habitude, je ne sais pas. En fait, on t'entend bien, mais moins clair que d'habitude. Oui, parce que j'ai dû tourner mon visage. Ok, là c'est incroyable. Bon, bah, tu peux lancer des dégâts pour le fun, mais dans tous les cas, on sait très bien que cette créature va périr. Voilà, très beau dégâts, non, ça va, ouais, ça va. Ah, c'est pas le top, mais effectivement, vous voyez, effectivement, deux coups secs de katana, et la créature est complètement coupée en 8 morceaux, avec seulement deux coups de katana, c'est assez fort. Félicitations, messieurs, dames, vous avez vaincu vous avez vaincu ces combattants vraiment terrifiants, et vous pouvez reprendre votre magnifique exploration des ruines d'Arbefou. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pièce? Oui, du coup, j'ai trouvé que des arbustes ou il y avait... Vous avez déjà fouillé, vous n'avez trouvé que des arbustes. Ok. C'est déjà pas si mal. Bah, on aurait dû ne pas chercher. Et ben, on va s'approcher. On va monter. Hein. Est-ce qu'on réveille Kousk? Ou est-ce qu'on le laisse dormir ici à tout jamais? Il peut dormir, on va savoir. On peut lancer un. Hein. Il a l'air d'être fatigué, on va peut-être le laisser dormir. Ah, allez, sur un dé. Ah, sur un dé, elle va encore faire la sieste pendant 6 minutes. Eh ben. Ah, mais c'est toi qui le lance, mince. Ah, tu peux le lancer si tu veux, lance-moi un dé 30 pour savoir pendant combien de temps tu fais ta sieste. Ah, ah vas-y, c'est ton. Un dé 30. Bon, une sieste, tu vas pas faire une sieste de 3 heures, sinon ça s'appelle un sommeil, quoi. Si tu tapes dans le chat, tu tapes ouais. Slash roll. Sans, ce que j'ai mis sans le point. Voilà. Un dé 30. T'es dans la même mode que mon MJ sur Pathfinder. Non, les combats, c'est pas moi qui les équilibre, c'est. Tout est là-dedans. Voilà. Je vais sans doute leur rendre quelques combats plus compliqués parce qu'ils ont un groupe très fort. Surtout Léo qui fait des personnages très très forts à chaque fois. Bah du coup on va aller Oh c'est une petite sieste ouais. C'est une pour un Aïp. Ouais, on va voir ce qu'il y a dedans ouais. Je rentre Pareil moi comme on a l'habitude je fais le tour ourson pour regarder les alentours. C'est une toute petite maison, enfin, c'est même pas une maison en fait, ça devait plutôt servir d'entrepôt. Alors, entreposer quoi, vous savez pas dire, parce que bah, du coup, c'est vide, il y a que des mauvaises herbes dedans, mais. Des mauvaises herbes, je mets mon katana. Je me prépare également, on voit des petits arbres. Effectivement, maintenant, les buissons d'arbre foudre ont une présence qui vous. Ils inspirent quelque chose, c'est pas vraiment de la peur, c'est pas vraiment de la crainte, c'est pas vraiment. C'est de la pitié, de l'ennui aussi. Mais Très bien, je vais mettre un peu plus de mort-vivant, je comprends. Pendant qu'il fouille, je vais observer. Je vais peut-être pas fouiller toute seule. C'est parce que Krusk boit énormément d'alcool, c'est pour ça que je lui permets de dormir à côté d'un combat. Je fouille elle aussi. Elle est toujours en état d'ébriété, donc elle peut dormir n'importe où. Leur perception, j'imagine. Alors que ça, la stase du tremble. C'est quoi, tu sais. Tu fouilles dedans, perception. Ouais, je fouille à l'intérieur. Ouais. Très bien, tu trouves des buissons. À chaque fois que tu mets ta main pour les écarter un peu, tu as peur qu'ils se mettent à bouger. Tu vois, tu te bloques un peu pendant une seconde pour dire. Est-ce qu'il va se mettre à bouger ou pas. Et a priori, rien de vivant dans cette bâtisse. Et rien de bien intéressant à part quelques cailloux et une porte cassée. Bon, bah, s'il n'y a rien, tant pis. Hein. Et la statue, rien d'intéressant, enfin une petite épique. La statue, c'est une grande statue de 3 mètres qui représente un fier héros avec une belle armure, avec un dragon inscrit sur son torse qui tient aussi une arme à deux mains devant lui. Il a les mains jointes sur la garde. Et cependant, avec le temps, a priori, la statue a l'air de s'être un peu penchée sur le côté. Bah je sors un de mes petits bâtons d'encens qui est dans mon sac. Et je l'allume et je fais une prière au Camille pour sans doute toucher un guerrier. J'y passe pas des heures. Mais... Très bien. Il y a un petit texte pour cette zone, je vous le lis. À l'est du village, le chemin s'évase jusqu'à former une petite place.
Plusieurs bâtiments en ruine entourent le côté sud, tandis qu'une bâtisse plus importante, au nord, ressemble à une caserne. Un chemin mène au sud-est, un autre contourne la colline par le sud-ouest et passe au milieu du village, et un troisième serpente au nord. Au milieu de la place, la statue de bois usée d'un guerrier tenant une... C'est une lance, du coup, pardon, et un bouclier penche légèrement de côté. Voilà. Elle est en bois, la statue. Ouais. Et le guerrier, il a pas une ressemblance avec Red Hot par hasard ? Absolument pas. Ça a l'air d'être plutôt lui vraiment un guerrier, c'est pas du tout un druide. Ok. Je vais jeter du coup, si tout le monde est prêt, je dis bon, continue le chemin, je vais réveiller. Mais il y a celle-là, baraque à faire aussi là. Ouais. Petite check sur la joue. La petite baraque, quoi. Je la ferme maintenant. Pendant qu'elle dort, pendant qu'il dort, Krusk. Ouais, on peut se faire la petite baraque, après on se fera la grotte. Certes. On va bien s'entendre, je fais souvent des persos gros buveurs et gros mangeurs. Je fais pas le tour parce que moi, c'est l'inverse. Pas mal de végétaux, donc j'ai un peu la flemme. C'est une ville fleurie 4, effectivement. Ouais, c'est quand même une ville. C'est les ruines d'une ville, c'est une ville en ruine. Mais fleurie 4. C'est des apparts à part, les trucs ils font 3 mètres sur 3 mètres sur 6. Ouais, ça c'est les deux bâtiments qui se font face. C'est... Vous avez pas l'impression que c'est tant des maisons, parce que vous avez pas comme dans les autres maisons des meubles. Ça a l'air d'être plutôt des sortes d'entrepôts qui devaient servir à l'époque à stocker des vivres ou du matériel. Mais voilà, parce que dans les autres maisons, vous avez quand même trouvé soit des éléments de métier, comme à la forge, etc., soit des meubles de vie, quoi, tout simplement. Ouais, ou des buissons. Ou des buissons. Je vais réveiller Krusk, voyant que la fouille a l'air infructueuse. Bon, on n'a pas fouillé. Je fouille la zone, quand même. Je mets une main sur son épaule et... Réveille-toi, mon ami. Nous avançons ce gros bâtiment à visiter. Nous avons déjà visité ce bâtiment à gauche et celui à droite. Enfin, en tout cas, celui à gauche est en train d'être fouillé. C'est bien, vous êtes discret. Je fais un jet de perception. le quart de manger. Perception également. Oh putain, bon. Eh bien, tu es étonné de voir qu'il n'y a rien. Toi aussi. Bien, tu te fais même à force de te baisser et de tendre le bras pour pousser des choses, tu te fais un petit peu mal au dos, tu vois. T'es un peu. Là, tu sens que c'est une longue journée quand même. Eh ben, allons voir cette grande bâtisse. Elle a l'air un peu plus grande que les autres, ce bâtiment. Quand même. Ouais. Oui, et ce serait la fameuse caserne, non, du coup. Exactement. Eh ben, je toque à la porte, on sait jamais. Très bien, tu toques à la porte et tu entends des bruits de pas qui se rapprochent de la porte. Alors je me mets un petit coup de simulacre de vie, je sens pas cette histoire. Mais tu n'as pas d'autre réponse, tu n'as pas de réponse. Moi j'avais lancé, la saison dernière, j'avais lancé une armure du mage, est-ce qu'elle est toujours active ou pas ? Oh oui. Okay. Ça fait une semaine quand même. Non, tu l'avais. Je sais pas à quel moment tu l'avais lancé. Mais j'avais ça lancé joue. Au tout début du quand on est arrivé à Arbre Foudre. Ça fait pas 8 oui, heures. Oui, donc ça, oui, ça fait moins de 8 heures que vous okay. êtes là. D'accord. Et du coup, tu disais, j'ai entendu des bruits de pas qui approchaient, mais personne ne voit vient à la porte. C'est ça. Tu entends des bruits de pas qui se rapprochent de la porte quand t'as toqué, mais a priori rien de. Enfin, personne ne trouve. Les bruits de pas, ils étaient traînants. Ils étaient enfin nets, tu vois, ça ressemblait plus à des pas de zombies, genre. Tu saurais pas dire, ouais, ça avait l'air d'être assez lent, et tu saurais pas dire si c'est quelqu'un qui est prudent ou si effectivement ce sont des zombies. Est-ce qu'il y a des fenêtres ? Toutes les fenêtres sont barricadées. Là, je pousse Kazuga et je tape plus fort à la porte. Ouvrez ! Je suis Kasuga Tetsuo, nous avons libéré le village de ces immondes créatures, vous pouvez ouvrir en toute sécurité. Alors toi tu tapes dans la porte, tu as dit Krusk ? Ouais. Vraiment fort ? Ou juste pour Pardon ? Cogner ?
Vraiment fort ou juste pour cogner? Vraiment pour montrer qu'on est, on est vraiment là et on, j'insiste lourdement. Pour l'instant, je ne la détruis pas. Enfin, c'est la police. Très bien. Police. Bah, vous entendez encore un peu de mouvement à l'intérieur, mais a priori, rien ne se passe. Là, je défonce la porte. Oh, et voilà. Tu vois de la bouche. Ça, c'est fait. Et bah, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. La difficulté 12, savoir si tu arrives à défoncer la porte. Athlétisme ou force Il y a dit force. Force, j'ai dit force. Mmh. Tout juste. Eh bien, tu arrives effectivement à défoncer cette porte. Et en fait, là, au moment où tu la défonces, tu me rends... Alors, tu la défonces comment? Avec le pied. Ok, tu mets, tu mets un gros coup de pied dedans pour complètement écraser la porte. Ce qui fait tu arrives là. Et en fait, tu te rends compte qu'au moment où tu l'écrases, tu l'écrases en fait sur un zombie qui tombe sous le poids de la porte, alors que tu es juste au-dessus de lui. Et vous allez tous me lancer d'initiative, s'il vous plaît. Je vous mets le petit truc. On va également vous mettre... Et juste dans le doute, je voulais être poli au départ, je voulais leur dire bonjour, donc je dis quand même bonjour, mais... Bonjour. Non, ça change. Tac. C'est pas moi. Il m'a... Bah oui, mais parce que j'ai poussé la porte. T'appuies sur Alt. Poussé la porte. Ah ouais, du coup. Il est sous la porte. D'accord. Et je. Oui, non, là, elle est complètement dessus et lui, il a pris. Il a pris un petit peu de. Non, il est pas mort, il a pris un peu de dégâts. Calme-toi. J'ai pas dit non quand on a posé un nom. Et d'ailleurs, d'ailleurs, Kazuga, moi, je vais plutôt prendre compte que t'avais un peu plus que t'étais là, et vous allez tous les trois faire un jet de constitution, s'il vous plaît. Ah oui, c'est sauvegarde bien. Constitution. Oui, sauvegarde constitution. Bah oui. Yes. Poil. Ça, c'est raté. Poil. Ça, c'est réussi, et ça, ici, pour Kazuga. Très bien. Eh bien, en fait, au moment où tu mets un coup dans la porte et où tu éclates le zombie, en fait, tout autour de toi passe de la cendre qui viennent éclabousser le visage de Léo et de Kazuga. Toi, tu étais en partie protégé par ta taille et la porte. Mais tu as provoqué cette fameuse explosion de cendre. Alors, est-ce que j'ai mis le... Non, je ne l'ai pas mis. Mon jet d'initiative. Après, je vais vous classer les dés. Ah bah, super. C'est pas assez, du coup Ah si pardon, tu réussis de justesse. Pardon. Tu arrives à. Tu coupes ta respiration, c'est pas tu prends une respiration et tu bloques, c'est juste. T'as juste pensé à arrêter de respirer pendant quelques instants. Histoire que la cendre se tasse et ne pas être gêné par ça. Léo, c'est à toi. Bah du coup je vais m'essuyer les yeux, hein. Que je vais sortir, enfin, je vais sortir mon arme et je vais m'essuyer les yeux. Enfin, dans l'autre sens, plutôt. Mais ouais. Dans tous les cas, à la fin de ton tour, tu as le jet de sauvegarde. Tu veux quand même passer une action pour le faire? Bah, après, est-ce que je peux m'avancer, genre là? Ouais, parce que je prends en compte que tu marches dessus et que. Ouais, c'est ça, je marche un peu sur la porte, je mets un petit coup de pied et puis. C'est ça, ouais. Ça me dérange pas dans ce cas-là de traverser une case de créature. Bah, du coup, je fais ça. Et du coup, je m'essuie les yeux, quoi. Hop. Eh bien, tu y arrives. Un petit coup, une petite larme, par la poussière et on est reparti. C'est ça. Et Nae, toi, tu vois que Krusk a mis un énorme chassé dans la porte et que ça fait une... Pour toi, t'as eu l'impression de voir une explosion, parce que t'étais pas... Tu venais en paix, de base. Ouais. Mais a priori, pas ton groupe, du coup. Les zombies, c'est sensible à quel élément? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On sait pas. Je vais faire une orbe chromatique et je vais faire de poison. Non, d'acide plutôt, de l'acide. Ça peut faire fondre les os. Donc du coup, tac. Voilà. Ça et donc level 1, ok. Et comme c'est un sort de niveau 1, il faut que je lance mon dé aussi. Tout à fait. C'est mon dé 20 qui est là. Ah, pas loin, pas loin.
Ouais. T'as pas dit quoi préciser, le premier zombie, en fait, quel était le zombie que je tapais? Celui qui est au sol? Ouais. Non, celui derrière, celui qui est debout, là, plutôt. Ok, ça marche. Eh bien, Léo Krouz, que vous allez me refaire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Et lui, il va prendre... il va prendre la sauce, tu vois vraiment que ton corps, lui... Enfin, ta boule le touche en plein torse, ça fait un gros splash sur tout son corps, et tu vois tout le peu de chair qui lui reste, qui commence à fondre sous l'acide de ton sort. Et Krouz, que tu es surpris par cette explosion. Cette explosion de cendres qui se passe en même temps que le choc de l'orbe chromatique. Et tu vas également t'étouffer, être pris d'une toux à nouveau. Alors que Léo, lui, c'est bon, il se laisse pas faire. C'est bon. Désolé. Kazuga. Kazuga, il va profiter de l'entrée aussi, enfin de l'ouverture faite par Krouz pour passer. Ok, je vois la situation à peu près. Écoute, je vais prendre. Là, je suis obligé de prendre une attaque d'opportunité. Sauf si au passage tu arrives. Non, tu peux pas te mettre un coup en toi. Ouais. Et je vais prendre une attaque d'opportunité, je vais me caler là où je peux. Parce que d'accord, je peux passer derrière ici ou pas pardon. Je peux passer derrière ici ou pas? Ouais, tu peux te caler là, ouais. Moi, j'aurais bien me caler là, quoi, pour laisser de l'espace, quoi. Du coup, tu peux aller là, mais tu prendras... ouais. Tac. Et effectivement, quand tu passes, il arrive à te griffer un peu l'arrière du mollet pour 2 points de dégâts. Ok. Saloperie. Une fois ici, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je sais qu'ils sont du coup, maintenant que je les ai bien affrontés, je sais qu'ils sont assez faibles, enfin qu'ils sont faciles à toucher. Donc je vais faire ma tornade gelée sur lui. C'est celui qui est tout à droite. Ok. 8. Et t'as de la chance qu'ils sont faciles à toucher parce que tu arrives de justesse. C'est pour ça que je tente ces coups-là, justement. 23. Oh. Eh bien, sauf si je fais un truc exceptionnel, mais ça ne devrait pas arriver. Non, eh bien, tu arrives à le couper de haut en bas, complètement en deux. C'est ça, ouais, c'est une attaque mutante, vraiment. Ouais. Et il est... vous voyez deux morceaux qui tombent... Enfin, pour ceux qui sont dans la pièce, vous voyez deux morceaux, un qui tombe à gauche, un qui tombe à droite. Kazuga a d'ores et déjà détruit un zombie. Je fais un jet de sauvegarde de constitution. Et tu fais également, ouais, un jet de sauvegarde de constitution. Difficulté 10. Et tout va bien pour toi. Parce que tu l'as coupé vraiment net, du coup l'explosion est passée vraiment complètement à gauche, complètement à droite. Et aucune cendre ne se dirige vers toi. Est-ce que c'est tout pour toi? Oui. Très bien. Eh bien, Afir, c'est à toi. Je vais m'avancer. La fois que j'ai frappé une porte, j'ai eu 15 gardes draconiques qui me sont tombés dessus. Un lion, là. Je vais m'avancer ici. Enfin, un petit peu derrière, quoi. C'était RL, c'est ça pour... Est-ce qu'on est bien au niveau du mixage son, s'il vous plaît, de la musique et des voix des joueurs? Quoi, c'est Alt pour se mettre entre les lignes. Oui, voilà. Alt pour... Ouais, c'est ça. Pardon. Et je vais, avec mon tambourin, lancer un sort. Je vais lancer Fléau. J'envoie ça de suite. Voilà. Donc je lance un sort aux trois zombies que je vois. Il doit faire un jet de sauvegarde de charisme. Ah, je vais le lancer même carrément. Je sais pas si ça va marcher. Très bien. Tiens, il n'y a que celui de droite qui réussit. Ouais. Et alors sinon il se passe quoi? Ce serait un prochain jet. Ok. Ouais, à chaque fois qu'ils attaquent, il faut que tu enlèves un des 4 à leurs attaques. Ok, ça marche. Ah, c'est cool ça. Ouais, tu sors de soutien, sympathique. Ok, ça marche. Et bien, du coup, ça va être à eux. Léo, tu vas prendre 3 points de dégâts que le zombie te met. Essaye de te griffer au niveau du bras. Je vais être prévoyant. Je pense que toi tu vas rater, sauf que celui qui est en dessous de toi, non, il est trop gêné. Les deux n'arriveront pas à t'avoir. Celui qui est sous la porte, il essaye de te griffer, mais ses bras sont un peu trop gênés par la porte, il n'arrive pas à t'atteindre.
Et l'autre, vu que toute sa peau est en train de fondre, ça se colle un peu, il galère à se battre, il n'y parviendra pas. Et d'ailleurs, c'est à toi de réagir. Ah oui, du coup, je suis concentré. Du coup, moi j'attaque bon, celui qui est... Bah non, celui qui se porte, il est bien en fait. C'est... Comme je demandais, c'est bien le... Pareil, un grand coup de hache. Le niveau des sons entre la musique et la voix et tout, des joueurs. Ça passe. Et je lui fais 7. Alors attends, c'est celui qui est à gauche que t'as tapé ou celui sous la porte? Voilà, celui qui est sur la gauche, ouais. Très bien. Non, celui qui est sous la porte, il est coincé, donc il reste coincé, c'est très bien. Ok, et bah vous allez tous les deux du coup me faire un jet de sauvegarde constitution, Léo et Krusk. C'est raté et c'est très bien réussi, donc... J'ai fini des avantages. T'attends, toi t'avais déjà le désavantage, Krusk, ou pas? Non, tu l'avais réussi. Ouais, j'avais déjà un jet de sauvegarde de constitution à faire parce que j'étais déjà atteinte. Et du coup, t'as le désavantage. Refais-moi une deuxième attaque à main nue pour voir si tu touches ou pas. Parce que si tu fais. T'as pas lancé avec les avantages. Refais-le. Bon, au pire, c'est pas très grave. Hein. Il y a peu de chances que tu le rates. Moi, je vois ça quand même. Elle a fait 20 pour information. Ok. Bah, du coup, c'est bon. Ça fait 14 pour toucher et on est bon. Et du coup, Léo, c'est à toi. Bah, je vais quand même tenter de taper celui-là. Je vais mettre un grand coup latéral et l'éclater contre le mur, mais... Ça passe. Ça touche. Et oui. 12. Bam. Effectivement, tu lui mets un coup assez violent qui lui fait tomber, une main. Mais il tient toujours sur ses deux jambes frêles. Puis on s'étoie les yeux un peu. Et hop. Elenaï. Je vais me rapprocher un tout petit peu pour pouvoir voir les zombies. Hop, mettre comme ça. Je vais faire un trait de feu. Sur celui-là. Hop. Tac, trait de feu. Oh, joli. GG. Et hop. Ah. Ce sera suffisant pour en venir à bout. Tu lui fais décoller la tête, sa tête explose et éclabousse. Kazuga. et il tombe au sol, il est mort. Kazuga, alors que tu es désormais couvert de morceaux de tête de zombie à moitié fondu et à moitié brûlé. Je suis un guerrier, ça ne me fait pas peur. Très bien. Je m'approche de celui qui est sous la porte et je plante violemment mon épée dans la porte, en fait, pour traverser la porte et lui en même temps. Évite mes pieds, s'il te plaît. Et pour le finir d'un courageur. Tu évites mes pieds, s'il te plaît. Ok. Et du coup, je vais utiliser Maître du Katana pour viser un point qui me semble être vital. Roland, mais faites-moi tout le temps le double jet, hein, c'est plus simple. Ah, tu veux que je sois toujours... C'est mieux, parce que là, t'as un avantage, donc imagine si l'autre, tu fais un critique sur ton avantage, c'est dommage de passer à côté. Parce qu'il est au sol. Ah, je savais pas. Voilà. Je n'avais pas compris, effectivement. Je réglerai ça. Fais-moi un deuxième jet d'attaque, en attendant. Je vais faire ça. Très bien. Bon, ça ne sera pas... Et tu lui mets... Moi, je le vois pas. 23 points de dégâts. Non, mais je vois les dégâts, mais je vois. 17 et 15. Ah, là, c'est bon. On va le tenter, mais je pense qu'il y a peu de chances qu'il s'en sorte, malheureusement. Et non. Effectivement, tu arrives à transpercer la porte. Et tu vois qu'en fait, il se crispe au moment où ta lame transperce la porte et le transperce par le même geste. Et d'un coup, tu vois ses deux bras tomber sur le côté, et a priori, il ne bougera plus jamais. Afir, c'est à toi. Je sors mon On va leur rajouter des zombies, là. Et je tire sur le zombie qui reste.
une arbalète. GG. Le MJ en sueur. Par contre, je fais le petit 1 des familles. Ça fait jamais très plaisir. Mais bon. Ouais, mais ça fait deux critiques. Deux... J'avoue que ça enchaîne là, les critiques. Ouais. Effectivement, tu lui mets une flèche en pleine tête. Tu vois sa tête qui part en arrière, mais qui se remet en avant, et a priori, il n'est pas mort. Et ce sera tout pour moi. Par contre, moi, Afir, je t'entends à peine. Je sais pas pourquoi. Ouais. Peut-être que tu montes en son, parce que nous, on entend bien. Ah, bon, ben, je vais monter le volume, alors. Parce que moi, je vous entends tous bien, il y a qu'Afir que j'entends pas. Donc, on va monter. Fais clic droit sur lui, tu peux monter un peu son volume. Ouais, ouais, ce que je viens de faire. Hop. Tu m'entends? Un, deux, un, deux? Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. En montant le volume, ben, à 160. Ah oui, quand même, oui, effectivement. Ah oui, j'entendais vraiment presque rien. Vous voyez arriver des autres pièces derrière. D'autres zombies qui sont attirés par vos... Oh putain. Par tout ce que vous faites, en fait. Vous faites vraiment un vacarme incroyable. Et du coup... Léo, t'as combien de CA? 14. Tu vas être touché deux fois pour un total de 9 points de dégâts. Ok. T'es comment, Léo, pour l'instant? Heureusement que j'ai beaucoup de PV temporaire, mais... Ok. Ça commence. Et Kazuga, il y en a un qui essaye de te mettre un violent coup au visage. Du coup, tu l'esquives, mais tu te rapproches un peu trop de l'autre, qui arrive lui à te mettre un sale coup au sommet du crâne, et tu vas prendre 9 points de dégâts également. Ouf. Et Krusk, c'est à toi. Écoute, je vais me foutre en rage, en fait. Oui, il se fout en rage. Je fais ça pour deux raisons. Leur rendre le combat plus compliqué, vu que leurs personnages sont très forts, et que ça les mette assez mal, pour pas qu'ils aillent voir le dragon après, parce que j'ai pas envie qu'ils y aillent. Mais ils devraient quand même réussir ce combat assez facilement. Celui à gauche. Très bien. Ça, tu arrives à l'atteindre sans problème. 8. Et je vais faire mon lancer de... Constitution. Ben, tu arrives à lui faire une large entaille au niveau du torse et du ventre. Tu vas voir tous ces boyaux tomber du sol, enfin s'éclater, enfin comment dire, se déverser sur le sol alors qu'il tombe à genoux. Et ça pue désormais dans cette pièce, encore plus qu'avant. Mais a priori, il est mort. J'étais plus atteinte de... Qu'est-ce qu'il y a, Shobi? C'est à moi. Faut que tu fasses un jet de constitution. Il faut que tu refasses un jet de... Ouais. Je refais un jet de constitution. Bah non, ouais. C'est bon, tu viens de le faire. Temps. Là. Ouais. Ah, tu l'as fait, c'est bon. T'as réussi, c'est bon. Et tout à l'heure aussi, j'avais réussi et j'avais gardé du coup la marque, je sais plus en fait si j'avais ou pas. Bah enlève là, du coup. Perdu. Ouais, je te l'enlève. D'accord, ça marche. Est-ce que tu désires faire autre chose? Je vais du coup m'avancer là. Très bien. C'est tout. Bien, Léo, c'est à toi. Enfin, les vraies choses commencent. Du coup, je vais claquer un petit maléfice sur celui qui est en face de moi. Et puis, bah, je vais mettre un petit coup. Hein. Donc, faut compter les 4 aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, nécrotique, est-ce qu'ils ont des bonus, malus? Je ne sais pas, mais... Et bien, du coup, vous allez, tous ceux qui sont à l'intérieur, là, me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. Qu'il y a encore, effectivement cette nuée de cendres qui s'envole dans toute la pièce. Et vous semblez avoir chopé le coup. Vous coupez tous votre respiration au bon moment, vous fermez les yeux aussi. Tout ira bien pour vous. Elenae! Alors que tu pensais que c'en était terminé, et tu te rends compte qu'en fait il y en a d'autres. Oui, ben je me rapproche un tout petit peu, là j'en vois deux. Donc je vais refaire un trait de feu sur celui-là. Hop, tac. Malheureusement, tu ne toucheras pas. T'as peur de blesser Krusk ou Kazuga qui sont devant. Et du coup, tu n'y parviendras pas. Kazuga! Allez, je vais envoyer. Je vais faire, du coup, un esprit combatif. Ce qui fait que j'ai l'avantage. ABG et j'ai la résistance aux dégâts tranchants, perforants, contondants jusqu'à la fin du prochain tour. Ok. Du coup, je vais mettre un premier coup sur. Est-ce que quelqu'un peut me répondre
s'il vous plaît, sur le fait que la musique est bien réglée par rapport au son des voix et tout. Il est déjà touché par Il n'y a que celui qui est juste au-dessus de toi qui a déjà été touché, les autres sont, n'ont pas été touchés. Alors, ça fait lui là, celui qui est en haut à droite. Je me mets l'avantage. Ah dur. Ça l'histoire. Effectivement, t'es un peu trop surpris de voir tous ces zombies débouler sur le côté. Tu t'attendais pas, tu pensais avoir terminé le combat et en fait non. Et du coup, ça, voilà, t'es un peu pris au dépourvu. Et bah de rage, je vais utiliser mon second souffle pour remettre un coup sur le même zombie, cette fois de haut vers le bas. D'accord. 15. Et t'as quand même l'avantage. Ok, ça marche. Bah tu arrives effectivement à le toucher. Fait 19 points de dégâts. Ouf. Et tu lui mets effectivement une lacération assez profonde, mais par miracle, a priori, c'est tout juste pas assez profond pour vraiment le couper en deux. Quoi. Tu vois, il y a pas non plus ses intestins et tout qui tombent, là, mais tu lui as fait quand même une grosse entaille sur quasiment toute la hauteur du corps. J'ai encore beaucoup à apprendre. Il est vrai. Il n'est que niveau 2 après tout. Afir. 3, vous êtes 3, pardon. Eh bien je tire de nouveau sur lui, cette fois. Très bien. Je vais enlever mon carreau de tout à l'heure. Hop, je l'enlève. Et je vais enlever celui-là, ce sera fait. Un petit goût d'arbalète. Petit 13. Et je lui fais 4. Et avec mon action bonus, je recharge, bien sûr. À chaque fois. J'ai pas précisé tout à l'heure, effectivement. Tac. Normalement, ça te compte pas l'action bonus pour recharger, c'est juste que tu peux pas utiliser deux fois l'arme dans le même tour, c'est tout. Ah ouais, c'est tout, ok, d'accord. Ouais. Ok. Sauf quand t'as le don qui fait que le rechargement, ouais. On s'en fout. Okay. Du coup, tu touches le plus proche, c'est ça, et bien tu arrives à lui mettre une flèche qui va se planter en plein milieu de son ventre. Je regarde l'état de Kasuga, il va bien ou pas? Kasuga a l'air... il a déjà connu des jours meilleurs, mais ça va, il n'est pas non plus à l'article de la mort, mais okay. Bon, c'est un peu fatigué. Je vérifie. Quoi, non, ça va, en fait, tu sens que je suis aussi en position défensive, plus ou moins? Oui, oui. J'ai la résistance, tu vois. Voilà. Ok. Tac. Alors... Eh bien, on va faire de même que tout à l'heure. Léo, tu vas me prendre 7 points de dégâts alors qu'il arrive... Tu pensais bloquer son coup et en fait, son bras se disloque au moment de te frapper, ce qui et du coup, il frappe un angle complètement inattendu. Et il va parvenir à te taper. Et toi, Kasuga, t'as encore cette nuée de 4 bras qui t'assaille et tu vas subir 10 points de dégâts. Ok, divisé par 2. Oui, vu que jusqu'à la fin de ton prochain tour, tu es résistant. Ouais, je t'envoie le truc pour que tu puisses vérifier par toi-même. Hop. Non, mais il n'y a pas de souci. Et le dernier, bah, il fait... Il attend. Ah, grosso modo, est-ce qu'il a la distance en vrai? Il pourrait aller là, techniquement. Il pourrait aller là pour te taper. Entre le mur et mon corps... Je sais pas, hein. Bah, tu prends pas tout de l'espace non plus normalement, donc... C'est toi le MJ, c'est toi qui vois. Ouais, moi je l'accepte. Et il va te mettre 3 points de dégâts supplémentaires. Ok, bon. Et Krouz, que c'est à toi. Krouz, on a besoin de toi, là. J'avoue, là, ça commence à être compliqué. Vous pouvez tanker un peu. Ouais, non, ça va le faire. Bah, vous êtes mal placé pour ça. Ouais, non, si je me déplace... Je vais pas te déplacer. Non, je peux pas me déplacer. Ah, si, tu peux taper. Non, je vais taper, ouais, mais je voulais aller derrière éventuellement pour que tu me tapes plus moi, mais du coup, je me prends 3 attaques. Ça va être chaud. Si tu veux aller là, tu peux y aller en opposant par exemple ta force à la force de celui d'en bas, là. Et du coup, tu ne prendrais qu'une attaque d'opportunité de celui sur lequel je mets une croix, là. Ah ouais. Oui, parce que ça veut dire que tu te retrouverais là. Et tu ne sors que de la range de celui que j'ai mis, en fait. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais me déplacer jusque-là, déjà.
Alors. Et bah fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Pour savoir déjà si tu arrives à passer ou pas. Ah voilà, oui, d'accord, ok. Donc, force, force, là. Bah là. Petit problème, là. Ah, ouf. Très bien, le 19. Bah tu arrives effectivement à le bousculer. Ta masse musculaire ne peut pas vraiment être arrêtée par un zombie, sauf exploit, mais... Oui, il n'y a aucun souci, tu te retrouves derrière tout le monde. Et du coup, j'ai tapé celui-là. Ok. Toujours en rage. Et bim, du vin. Allez. Et vous allez du coup tous les deux me faire un jet de sauvegarde constitution, alors qu'il va prendre 14 points de dégâts. Puis pareil, à chaque fois que vous frappez, il y a limite un os qui part et vous mettrez vraiment des larges entailles dans leur corps. Et vous n'êtes pas touché par la cendre. Tout va bien pour vous. Est-ce que tu as fini ton tour? Ouais. Très bien. Eh bien, Léo, c'est à toi. J'ai mis 14, je sais pas si je t'ai vu. Oh ouais, j'ai vu. D'accord. Eh ben, je vais tenter d'achever le salaud. Je vais le maudire une deuxième fois avec la malédiction de la lame maudite. Et du coup, deuxième tentative. Bon, là, je pense que je le tue quand même. Pas sûr, attends. Si j'ai affaire. Ah, il est mort. Et du coup, grâce à la malédiction de la maudite. Ah non, 19, c'était impossible à faire. Hein. C'était impossible à faire. Je regagne 6 PV du coup. Hop, je lui vole son âme. Tout va bien. Ouais, maximum peut survivre qu'à des 18 au maximum. Et bien, suivant. Très bien. Enaï. Ben on va faire un trait de feu sur celui-là. Hop. Et eh bien, tu arrives à le toucher dégâts. Sans problème. On fait pas beaucoup de dégâts. Maintenant non, que Krusk... De toute façon, il est normal. Merde, ça je voulais faire. Bah de toute façon... Ouais, non, mais il est... Ah, quoique... bah tu le vois, effectivement, t'as l'impression de l'avoir tué, parce qu'après ton choc, il fait vraiment genre deux pas en arrière, t'as l'impression qu'il est bien sonné, qu'il va s'écrouler, mais il repense ses esprits, si je puis dire. Et il est toujours dans le combat. Kazuga. Je commence à avoir le souffle un peu court. Je sens la sueur qui me coule sur le front. Et je vais continuer d'attaquer en utilisant mon esprit combatif. Hop, deuxième utilisation. Et du coup, j'attaque avec avantage. Encore 13. Eh bien, c'est largement suffisant. Enfin. Bim. Et j'attaque celui qui est en face de moi. Pardon, je n'avais pas dit avant. Très bien. Eh bien, tu le décapites, j'imagine. Très bien. Et sa tête tombe au sol. Tu te remets en position. Le reste de son corps tombe au sol. Et il ne se relève pas. Afir. Je vais m'avancer ici et je vais faire un petit soin sur Léo. Pourquoi pas faire une sorte de position, non Will. Pardon ? Faut qu'on fasse une sauvegarde, non? Du coup, après mon coup. Ou pas? Non, il avait déjà été entamé, sûr. Ah, d'accord. C'est pour les neufs, d'accord. Donc, petit soin. Hop. Alors que vous voyez quand même qu'autour de vous, il y a une petite... Voilà. Merci, l'ami. Avec mon petit tambourin. Soin, soin, tu seras soigné. Pas de tambourin. Ouais, on est pas sur toi. Toi, tu restes avec. Ça sera. Je tiens. À moins qu'il me fasse 19 points de dégâts, ça va. Est-ce que c'est tout pour toi, Afir? C'est tout pour moi, oui, bien sûr. Ça marche, Roland. Bah, merci de passer. J'espère que le stream t'aura plu d'ici là. Et puis, bonne soirée à toi aussi. Sort de niveau 1. Qu'est-ce. Ouais, c'est tout ce que tu fais, du coup, tu m'as dit. Hein. Oui, c'est tout ce que je fais, oui, tout à fait. Très bien, très bien. Eh bien, Léo, après avoir été requinqué, tu as comme un second souffle et tu ne te laisses pas attaquer par... Ah,
par ce vil zombie. Et toi non plus, Kazuga, le monde de cadavres qu'il a autour de toi te protège, a priori. Il a du mal à t'atteindre, l'autre. Dès qu'il fait un pas en avant, il marche sur un de ses camarades. Du coup, ça le fait un peu glisser. Du coup, il a du mal à trouver l'équilibre pour te frapper. Krusk. Eh ben, je vais attaquer celui qui est en fait à côté de moi, là. Très bien. Tu vas l'atteindre assez facilement. Et je lui mets 15 points. Yes! Tu lui fais. Tu lui mets un gros coup, t'as l'impression de l'avoir brisé en deux. Mais il finit par se relever, il n'est pas mort. Il était tout neuf celui-là, non? Non. Non, il était très très faible. Léo! Eh ben, on va continuer. Je vais aller taper celui en haut, du coup, je leur mets la petite malédiction, hein. Celle de Maléfice. Et le petit coup d'épée. Petit. Il n'y a pas 5, c'est 3, pardon. J'ai oublié d'enlever un bonus. Donc c'est 14 plus 3, 3, okay. 17. Ça marche. Tu vas également me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Alors que tu le mets effectivement violent coup. Mais... Elenae, c'est à toi. Eh ben, on va faire un petit trait de feu sur celui-là. Allez. Hop. Léger, il sent pas ouf ce soir. pareil, tu lui mets un coup, t'as l'impression de l'avoir tué, mais pareil, il reste là. Kazuga. Vous allez mourir, oui ou non? Alors que je vois le... qui ne tombe toujours pas. Il te répond aux zombies. Je vais utiliser mon esprit combatif, mon dernier jeton. Et je vais utiliser. Alors, c'est une action bonus ou pas? J'en ai aucune idée. Ouais, c'est une action bonus, donc du coup, j'ai plutôt utilisé mon second souffle. Pour reprendre de la vie. Et je reprends, je crois. Un dé de vie. Ouais, un dé 10. Plus mon niveau de guerrier. Donc un dé 10 plus 3. C'est nouveau que ça rajoute le. Non, c'est toujours été comme ça? Ou c'est le fait d'être. De quoi? Samouraï? Non, c'est vraiment second souffle, ça marche comme ça. Ok, non, j'ai toujours cru que c'était que un dé 10. Bon, ok, ça marche. Non, un dé 10 plus ton niveau de guerrier. Ok. Et donc tu récupères, effectivement. 9 hit points. Tu te sens un peu mieux, effectivement. Et du coup, tu fais quand même une attaque, non? Ouais, je fais quand même une attaque, bien sûr. Ce sera donc une attaque sans avantage. Excusez-moi, mon tour est un peu long. Hop. Et je vais faire un coup de katana classique, parce que j'ai peur de le rater. J'ai bien fait. 13 points de dégâts. Et ce sera suffisant. Ouais, le coup final, il titubait vraiment depuis un moment, vous saviez même pas comment il faisait pour tenir encore debout, ça faisait 3 coups que vous aviez l'impression de l'avoir achevé, mais celui-là, a priori, ça a l'air d'être le bon. Afir. Je vais aller au contact et je vais essayer d'embrocher à cette vile créature. Hop, à coup de rapière. Tu vas très facilement y arriver parce qu'elle est assez lente. En fait, tu la transperces de part en part, en plein cœur. Tu te dis, bah c'est bon, dès que je vais retirer ma lame, il va s'écrouler. Mais à part te regarder de ses yeux vides, il reste debout. Et il essaye même de te mettre une attaque. Mais t'as pas encore tout à fait lancé retiré ta lame. Du coup, t'arrives à le tenir à distance et il ne te touchera pas. Krusk. Je vais me déplacer. 1, 2, 3. Jusque là, et pareil, je continue. Et bim! Ça touche! Ah, je suis punaise, pardon. Je fais ton attaque. Vas-y, fais-le. Ah, je peux pas. Je me suis fait dégager de relevin, pardon. Pas de soucis, je l'ai fait pour toi. T'es toujours en rage, ouais, ça fait. Ouais. Je suis toujours en rage, oui.
Eh bien, ça sonne la fin du combat alors que tu écrases complètement du plat de ta hache le squelette pour en faire un tas d'os. Bien joué. Alors que ce combat arrive à sa fin, que vous regardez tout autour de vous, et vous êtes vraiment au milieu d'un... Enfin, surtout toi, Khazgar, au milieu d'un tas de cadavres. C'est, ça devient même limite un peu difficile de circuler dans cette pièce. C'est assez dégueulasse, ma foi. Et c'est aussi assez dégueulasse, parce qu'après tous les coups, il y a eu beaucoup de projections de sang, de morceaux de peau et de n'importe quoi dans toute la pièce. Il y en a un qui a été éviscéré en plein dans l'entrée, un qui a été complètement fondu, donc vraiment, ça pue la mort, mais encore plus que là. Tu vois, ça pue la mort brûlée, tu vois. Ouais. Vraiment pas ouf. Je me rapproche de Kasuga, je fais... la douche n'est pas une option, cher ami. J'ai sous mon épée, je la rengaine comme un samouraï. Et je ne parle pas que de ton épée. Ça, c'est la voix du guerrier. Et je mets un coup de talon sur un des cadavres qui m'empêchait de passer pour aller jusque-là. Bon, mais moi, je vais jeter un coup d'œil parmi les cadavres si je trouve quelque chose. Hein. Donc, pour ne pas changer. Perception, voilà, c'est ça. Hein. Perception. Non, bah, je rentre. Ça y est, le boulot il est fini, je peux rentrer. Je vois rien du tout. Non, vous ne trouvez rien. Bah, j'ouvre les portes qui est sous moi, du coup... Bon, elle est déjà ouverte, ils ont déboulé de là les techniques. Ouais, tu peux passer de l'autre côté. Elle est où, personne, on ne sait pas. Hein, je vais expliquer personne et je ressors et je dis c'est bon, vous pouvez fouiller ici, c'est clean. Et là, je les regarde, je fais mais. Il est quelle heure dans la journée là? Je sais pas. Là, on est en milieu d'après-midi. Et je les regarde, ça vous dirait pas de faire un petit somme là? Au milieu d'après-midi? Déjà? Ben, on va dire que. Ouais, je suis pas au milieu de ma forme non plus. Hein. Bah, autant faire en repolant et qu'on continue de faire regarder ce qu'il y a autour vite fait, puis d'ici une heure ou quelques, on rentre et on fait un repolant et on repart demain matin. C'est surtout parce que j'avais vu les pieux, moi je m'étais dit que c'était une bonne idée de dormir. Ouais, tu viens de faire une sieste déjà, toi. Tout le temps fatigué, lui. Bah, moi je suis bien chaud pour un repos court. Hein. Moi je suis repolant, moi. Désolé. Ouais, mais... pareil. Je regarde juste vite fait, est-ce que la porte ici n'a pas été ouverte? Non. Ah, intéressant. Est-ce qu'on ne sécurisait pas la maison avant quand même? Bah oui, c'est sûr. Bah du coup, j'ouvre, j'attends que tout le monde soit là et... Ah bah tiens, il y a une baignoire ici. Kasuga, il y a une baignoire ici. Est-ce que tu es sûr de vouloir ouvrir cette porte? Je suis sûr de vouloir ouvrir cette porte. Et là, tu tombes nez au nez face au dragon. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Quand tu ouvres cette porte, tu tombes nez à nez. Je vois plus. Ok. Ah, on est juste nez à nez avec l'extérieur, puisque c'est tout simplement la porte arrière. Il donne sur les toilettes extérieures. Les latrines. Espérons ainsi qu'une petite cible sur laquelle a priori les soldats de cette caserne s'entraînaient au tir à l'arc. C'est incroyable. Moi, je m'obstine et je cherche encore dans la pièce parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose. C'est une ancienne caserne, il doit y avoir quelque chose. Donc, je refais un petit jet de perception. Avis, bah, tout semble très, très usé. Tout ce que vous trouvez a l'air d'être... ça fait longtemps que c'est dans cet état-là, quasiment à l'abandon, etc. Tu trouves des sacs où dedans, tu as de la viande, mais elle est pourrie. Enfin, il n'y a rien qui est... visible, et toutes les armes ou armures que vous pouvez trouver dans la caserne, parce qu'il y en a quand même pas mal vu que c'est une caserne, n'ont pas l'air d'être de grande qualité et puis ont été rongées un peu par le temps. Tiens, question de choses qu'on pourrait trouver dans une caserne éventuellement, est-ce qu'il y a des flèches ou ce genre de choses, surtout s'il y a des mannequins d'archerie dehors? Ouais, dans le meuble en face de toi, celui où il y a l'arbalète, là dedans tu peux trouver une petite dizaine de flèches qui restent là. Parfait. Je prends des flèches. En fait, il y en a beaucoup plus, mais tu vois, il te faut quelques minutes quand même pour faire le tri entre les flèches qui sont mortes ou voilà. Là, ce que je ping, est-ce que c'est une trappe ou une balle? C'est une trappe. Ah bah, je vais ouvrir la trappe. Je rentre. Tu ouvres la trappe et tu tombes dans une. C'est une toute petite cave qui devait autrefois renfermer. Des bouteilles et des tonneaux, mais a priori, il n'y a plus rien à l'intérieur. Ah, c'est une cave. Malheureusement pour Krusk. Il n'y a plus rien, Krusk, ça ne sert à rien de venir.
Bon, ben, je ressors. Ouais, je m'en vais dépité. Très bien. Et donc, du coup, là, le truc, ce serait qu'on fasse un repos long. Un moment, un autre, ouais. Ici, dans ce village infesté de buissons et de zombies, quoi. Bah, si vous voulez, je monte la garde. Moi, j'ai pas besoin de dormir autant que vous. Je peux, après, si c'est quand même bien de dormir bien. Donc, faudra faire des tours de garde. Bah, ils nous ont... On peut très bien prendre ces espèces de baraques. On a vu des pieux à côté. Dégager tous les zombies dedans. Coup de kazuga dans la flotte, dans la baignoire. Et on dort dans le... Ok, bah j'entreprends de commencer à prendre les corps, les entasser sur la place, là. Effectivement, ça nous occupera au moins la journée. La pièce, quoi, de tous ces morts, quoi. Un jet de kasuga. Allez, dans cette tâche. Vous voulez pas voir ce qu'il y a juste un peu plus loin, là en haut, et puis après on revient ici, on explore encore pendant une petite heure pour voir ce qui se passe. Dans l'idée, une fois qu'on aura sorti les cadavres, on laisse bien aérer de telle façon ce que l'odeur dégage. Et comme ça, on pourra revenir dormir en cafetant la porte après. Mais oui, on continue d'explorer, en fait. Après, pour l'odeur, ça va être compliqué, parce que vous avez quand même eu des projections de sang et de viscères un peu partout contre les murs, quoi. Donc, certes, les cadavres, ça va aider, mais ça va... Bon, déjà, ils sont juste à l'entrée. Et puis... Et ben, je commence à prendre une serpillière, je commence à nettoyer. Bon, là, par contre, je t'aide pas, je me casse. Ça va être compliqué de trouver une serpillière. Tu peux trouver peut-être des vieux tissus très usés dans la salle de bain, mais faire le ménage avec ça. Puis, faut te dire aussi que tout a été recouvert de cendres. Enfin, c'est vraiment très, très sale, quoi. Sachant que c'était aussi en ruine... T'as eu des infiltrations d'eau, donc le plancher à moitié pourri, enfin c'est... Ah. Sinon, on peut demander l'asile au druide. Mon pote. De toute façon, est-ce qu'il pourrait nous refuser? La question reste entière. Je fais une prière au Camille pour tous les corps qui sont entassés dehors, là. Et je mets le feu à tout ça. Devant la porte. Non, pas devant la porte, j'essaie de mettre ça au milieu de la... Devant la statue, comme ça. La statue, quoi, voilà. En offrant de la statue, tu crames des zombies. Ouais, je crame des zombies, et comme ça, ça montrera après aux gens qui viendront que ça a été nettoyé. Voilà. Et je prends aussi du bois de buisson. Le petit buisson qu'on a tué avant. Enfin, Vengeance. Et je fais une prière au calme. Très bien. Bien, tu brûles ça, et ça va même brûler la statue, puisqu'elle est faite de bois, je vous le rappelle. Cramer les statues, de toute façon. Ah mais tu mets les cadavres à côté, ça brûle. Bravo Kasuga, t'as cramé la statue. Ah, je suis désolé, noble guerrier. Ah, on va peut-être découvrir un passage secret en dessous. Je suis désolé, noble guerrier. Je m'en vais. C'est samouraï. Continuons l'exploration, du coup. Vous voulez aller où? En fait, on a déjà tout exploré, au fait. Je sais pas. Il y a quoi, bah, ça, au milieu où il y a le dragon, du coup, quoi. Bah, au milieu, c'est le dragon, quoi. Voilà, au milieu, c'est le dragon. Donc, autant continuer en haut, voir ce qui se passe, et puis après. Après, en haut, c'est. Vers le nord, vous sortez de la ville et vous retournez sur des sentiers dans la forêt. Ça, c'est un campus. Non, on a tout visité sauf le dragon. Bah, allons chercher de quoi calfeutrer une baraque pour aller dormir. Déjà, on demande au druide s'il veut pas nous accueillir chez lui. Je pense qu'il va bien. Après, je vais te dire, s'il y avait des zombies dans cette baraque, c'est que personne n'y allait, hein. C'est pas faux. Ceux qui allaient se sont transformés en zombies, visiblement. Techniquement, on peut juste aller à l'une des baraques qui est pas trop dégueulasse et on dort dedans, quoi. Enfin, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Les deux seules maisons qui avaient l'air ok, c'est celle au sud-est avec la bande des cons, c'est ça vous voulez appeler? Ouais, la bande des guignols. Et la maison du druide, effectivement. Et la forge, elle était encore un peu intacte, non? Il me semble, non? Ouais, la forge était intacte. C'était quand même tout recouvert de toiles d'araignée, et puis c'est pas très propre, quoi. Tu vas pas passer une bonne nuit là-dedans. Mais vous pouvez, si vous voulez dormir là-bas, vous pouvez. Sinon, on dort chez le druide, hein. Bah, après, Kasuga a fait un super feu, on peut tout à fait dormir à la belle étoile, quoi. Non, pas la belle étoile, ça sent quand même pas très bon, le zombie gris. Il
chercher le druide pour lui demander l'asile et vous ferez bien ce que vous voulez, mais moi j'en ai besoin d'un dans un endroit propre. Parce qu'après, il y a un autre souci, c'est qu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé, tous ces braves gens qui sont transformés en zombies, machin. Bah, on pourra le demander au druide. Hein. Mais bon, si. Si, il y a eu un volcan qui a fait éruption il y a longtemps et. Et ils sont tous morts. Un volcan de Provencia. Je sais pas exactement, mais l'histoire raconte qu'un volcan aurait ravagé cette zone, quoi. Vous voulez que je frappe à la porte? Non, ou... reste loin, Kousk. Oh. Excusez-moi. Bah, je toque et je vois s'il y a une réponse ou pas. Parce qu'il a fini d'aller chercher ses cerises. Très bien. Tu toques, et puis tu as... Tu as Redo qui vient t'ouvrir, elle est en train de manger des cerises. C'est encore vous ? Redo, oui, c'est encore nous, désolé de vous déranger, mais moi et mes amis, nous avons donc réussi à débarrasser ce village de tous ces occupants maléfiques. Mm-hmm. Nous sommes maintenant, hélas, fatigués par ce rude combat, et je me demanderais si vous ne pouviez pas nous autoriser à passer à repos chez vous, juste une nuit, dans un coin de votre charmante demeure. Histoire de pouvoir reprendre des forces et aller parler à ce fameux dragon. Vous voulez parler au dragon? Vous êtes complètement fou. Vous pouvez rentrer, vous reposer si vous voulez, mais... C'est les guignolos qui veulent faire un pacte pour je sais pas quoi. Vas-y, rentrez, j'ai des cerises. Ah, des cerises. Ah, ça, merci. C'est bon, ça donne la chance. Vous voyez qu'effectivement, sur sa table, il y a un énorme bol plein de cerises. Vous savez que dans mon pays, la cerise est un fruit sacré. Et bah, tu vas pouvoir manger des fruits sacrés, c'est cool. Je suis honoré que vous partagiez ce fruit avec nous. Fruit avec nous. Mais alors, vous parlez de... Il y a des gens qui veulent faire quoi avec le dragon? J'ai pas très bien compris tout ce que vous disiez. Il y a des personnes de l'autre côté du village qui portent des masques un peu chelous. Ah oui, et les capes noires, oui, les capes noires, je vois. Les quoi? Les capes noires. Ils ont des capes noires aussi, non? Je sais pas, ils nous ont pas dit qu'ils étaient, donc... Ils sont gentils ou ils sont méchants? Je ne sais pas s'ils sont gentils ou méchants, mais moi je serais vous, je leur ferais pas confiance. Ah. On n'a pas confiance. Ils font partie, me semble, du culte du dragon. Mais... Ouais, c'est ça. A priori, ils veulent avoir affaire avec le dragon, mais... Ouais, ils veulent faire dragon, un pacte avec le dragon. À part l'exterminer, je pense que ce dragon est un peu trop belliqueux pour faire quoi que ce soit. C'est un dragon, ce dragon est belliqueux. Ah bah, il vaut mieux pas essayer de faire ami avec lui, oui. Parce que j'ai entendu que vous vouliez lui parler, mais ça me semble pas être une bonne idée. Vous connaissez, vous l'avez déjà rencontré personnellement, ce dragon? Je l'ai déjà vu à l'œuvre, mais je ne l'ai jamais combattu, et j'essaie de ne pas trop m'en approcher. Même si je ne pense pas qu'il me poserait trop de problèmes, mais tant qu'il ne me dérange pas, je le laisse faire. Et qu'est-ce que le culte du dragon pourrait gagner à s'associer à cette créature? Bah, comme tout ce qu'on aurait à gagner quand on s'allie avec quelqu'un de puissant. D'accord. Du pouvoir. Pour invoquer je ne sais quel... Ah bah alors ça, leurs affaires... J'essaie de les surveiller un petit peu, mais... Pour l'instant, je sais que tous les efforts qu'ils ont mis en œuvre pour s'approcher du dragon... N'ont pas mené vers grand-chose, donc... Ça a l'air d'être une bande de guignols. D'où leur pseudonyme, les guignolos. Ça vous plaît, non? Ah, vous les appelez, oui. Bah, plusieurs reprises, je les ai déjà appelés comme ça moi-même. Ah bah oui, effectivement, ouais. Bon, bah, du coup, je vais vers mes camarades et je leur dis, bon, bah, dragon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, du coup? C'est un dragon maléfique et... qui n'est pas très envie de parler... J'hésite également. Je sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement. Les dragons gardent un trésor en général. Ouais, mais c'est peut-être un peu trop risqué pour le coup, là. Je pense honnêtement de ce que je vois de vous. Certes, vous avez été assez brave dans le village, j'ai pu vous observer, mais je ne pense pas que vous ayez les épaules pour combattre ce dragon. Nous reviendrons quand nous aurons acquis un peu plus d'expérience pour... Vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez, je ne suis pas votre père. Est-ce qu'à la place, on pourrait pas bully les guignolos? En vrai,
Qu'est-ce que cela veut dire? Leur péter la gueule. Ah, mais gentiment. Si vous, mais arrivez gentiment. À les déloger, si vous arrivez à les déloger de leur maison, vous faites bien ce que vous voulez. Et puis ça me fera un problème en moins, j'aurais plus besoin de les surveiller. Effectivement. C'est pas faux. Et on récupérerait peut-être une pièce pour dormir ce soir. Au pire, ouais. Si vous voulez, on n'a pas besoin de dormir chez vous, on y va de ce pas. Oh bah c'est... Et vous êtes libre, hein. Moi je vous accueille si vous avez besoin d'un toit. Si vous mais voulez autant... bouli les guignolos, et dit ça avec des guillemets, tu vois, que c'est doigts. Vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez. Je pense qu'on a quand même besoin de se reposer quand même. C'est le druide le plus yolo que j'ai vu. C'est clair. Ok, bah, on va dormir dans un coin, mais... Ouais, je m'assois dans un coin, je commence à entretenir mon épée. Vous voyez utiliser une espèce de petit... d'étrange instrument qui ressemble à une tige surmontée d'une boule de tissu. Et je tape doucement mon katana pour détecter d'éventuels défauts. Et je finis par m'endormir assis dans mon coin. J'ai entendu mon gonfler. Je joue un petit morceau de musique. Pour égayer un peu. Mais je peux quand même aller haut, garder l'œil, on sait jamais. Garder l'œil ouvert. Moi, je garde mon petit bâton à côté de moi, histoire de le faire bien voir. Quand tu joues de la musique, t'as Redo qui t'accompagne avec un harmonica. J'ai une belle guitare sculptée. Plutôt jolie. Voilà. Eh ben, ce fut un moment fort agréable. Est-ce que nous faisons notre repos long ou pas, MJ? Si vous ne souhaitez plus discuter ou faire quoi que ce soit de spécial, vous pouvez tout à fait jouer votre repos long. Alors que quand la nuit commence à tomber, vous voyez Redath qui met un peu de bois dans sa cheminée et qui allume un feu. Puisque la température chute un peu pendant la nuit ici, comme un peu partout. Et du coup, pour ne pas que vous ayez trop froid ni lui-même, il allume un petit feu. Okay. Oh là là, qui est prévenant cette... Bah, il le fait aussi pour lui, hein, mais... Lors d'un repos long, on récupère les dés de vie ou pas? La moitié. C'est la troisième fois que tu poses cette question. J'ai pas de mémoire. Donc, ce qu'on a dit la semaine dernière, j'ai oublié. Elle était pas dans tous ses états la semaine dernière. Oui, j'avais ma migraine aussi la semaine dernière. C'est vrai. Voilà. Donc bon, hop. C'est nul le niveau 3 parce qu'on gagne qu'un seul dé de vie. Ouais. Ah, c'est rendu à l'inférieur. Ouais, toujours. J'ai étonnamment pas utilisé de dé de vie. Je trouve ça curieux, mais. Ouais, je t'ai pas mal healé un petit peu quand même. Ouais, puis même, j'ai plein de PV temporaires. Et puis tous tes sorts de vie point temporaire et tout ça, effectivement. Moi, je déguste. C'est un peu ça qui me manquait, moi, les rages. Bon alors, la nuit se passe, vous dormez vraiment bien, parce qu'il fait, il fait bon dans cette pièce, et puis vous avez un bon toit, il y a une petite pluie fine en début de soirée qui est tombée, et vous êtes bien content du coup de ne pas avoir dormi dans une de ces ruines où vous auriez pris la sauce. Et au bon matin, vous êtes bien reposé, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je remercie Redo déjà pour son accueil. Vous voyez en fait qu'au réveil, Redo n'est pas là, il a laissé une petite note sur la table en disant qu'il est parti chercher des mûres. Ah, il aime beaucoup les fruits. Personnellement, je ne peux pas les fruits. On dirait une blague. Écoutez, mes amis, allons voir ces guignolos. Allez, chasse aux guignolos. Allons bouler du guignolo. On va. Je vais ouvrir la porte. Il a quand même confiance, hein. Il nous laisse tout seul chez lui. Ouais, il n'a pas trop de soucis. Mais... On ferme la porte en tout temps, évidemment. De ce que vous voyez de lui, il est assez... il a l'air assez sûr de lui, il a l'air assez serein, tu vois. Il a pas de problème pour vivre seul dans la nature. Et il a l'air assez costaud et il vous dégage quand même un aura de quelqu'un d'assez puissant, quoi. Ouais, mais... Je sais pas, le gars, il nous connaît pas, il nous invite à dormir le soir chez lui, et puis hop, il nous laisse toutes ses affaires en plan le lendemain matin et il part.
On aime bien faire des lumières, en tout cas. Ouais, ça. Peut-être qu'il a fait semblant et que finalement il était caché dans la pièce pour voir ce que vous faisiez, on sait pas. Il est peut-être un peu. Il était un peu sournois. On ne sait pas. Très bien, et bien vous arrivez devant cette bâtisse. Et puis, bah, ouais, qu'est-ce que vous faites? On te laisse faire ce que tu sais faire le mieux. Il me laisse défoncer des portes. Non, attendez, est-ce qu'il y a des... C'est les malades! Ils sont revenus, c'est les malades! Et tu entends qu'à l'intérieur, ça se prépare. Aha. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'on voit quelque chose? Tu as des fenêtres, mais elles sont toutes barricadées. Barricadées, hein. Bon, bah, comme d'hab. Oh. Je m'applique quand même pour taper à la porte. J'ai envie d'être civilisé pour une fois, juste pour voir ce que ça donne et pour être en contradiction avec tout le monde. Comme d'hab. Juste tu cognes, fait. Qu'est-ce que vous voulez? Ouvre cette porte, vite. Non, partez! Ou sinon, on devra se défendre. Je défonce la porte. Comme par hasard. Ouais, je vais pas croiser une équipe qui gagne, hein, ça marche super bien. Hein. Je vais me lancer une petite armure du mage, du coup, avant le combat. Hein. Très bien. Eh bien, fais-moi un jet de force. Crousque. Ça veut dire chope de bière, en russe. Ah ouais? Oh la pauvre porte! Oh la pauvre porte! Effectivement, vous voyez en fait Krouske qui met un énorme coup d'épaule en fait dans la porte, ça fait sauter tous les gonds, ils partent vraiment, vous entendez dans la pièce, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois que la porte en fait elle tombe de quelques degrés, mais qu'il y a une armoire qui bloque derrière, et là d'un coup ça t'énerve, tu mets un énorme chassé dedans, il y a tout qui vole, et du coup bah, tu te retrouves nez à nez avec quelques guignolos. Et là, je l'ai regardé. Bonjour. Ah bah la porte est déjà ouverte. En fait, il n'y a plus de porte. Oui, mais je tombe nez à nez avec les guignolos. Alors genre, ouais. Et bah du coup, vous allez me lancer l'initiative, messieurs, dames. Voilà, ils se défendent en plus, les guignolos. Bah, sauf si vous dites... Bah, ils vous demandent de partir, parce que sinon ils vont se défendre, et vous défoncez la porte. C'est une agression. Donc ils se défendent. Une agression, tout de suite. Mais en fait, le fait de leur demander d'ouvrir la porte n'était pas une question. C'est tout. Oui, oui, bah j'ai bien entendu à tonton, mais ils ne le souhaitaient pas ouvrir. Ils n'ont pas compris. Il y a des gens plus accueillants ici. Hein. Oui, quand même. Bah, maintenant qu'on a défoncé la porte, on peut peut-être les menacer par contre. Ah, parce que c'est pas fait là, on défonce. Ils se sentaient déjà assez menacés. Il n'y a pas de problème avec ça. On va les menacer avec nos armes, je pense que ça ira un peu mieux. Par contre, c'est chiant. Moi, je suis toujours devant la porte et résultat, je fais des jets d'initiative de merde. Je suis vraiment détruit. Tu as une hache à deux mains plus grande que toi. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Allez. J'ai le même délire. Hein, mais... Il faut laisser quelques avantages au moine. Ouais. Au moine? Ouais, parce que sinon, le moine, il n'est pas très bon. Donc... Alors, moine, c'est éclaté au sol. C'est la pire classe de donjon. Alors, ouais, Elenae, c'est à toi, alors que tu vois Krouske qui défonce cette porte. Mais vraiment avec une puissance. Enfin, t'as jamais vu Krouske taper aussi fort. Quoi. Bon, vous nous laissez rentrer maintenant ou pas? Ah bah, eux, ils ne souhaitent pas te laisser rentrer, mais dans tous les cas, là... Alors, tu leur dis ça pendant ton tour, c'est ça? Ouais. Ok, bah dis... Non, laissez-nous tranquille. On vous a rien fait, pourquoi vous nous attaquez? Bah, tu peux attaquer si tu veux. Et bah, je vais lancer... Bah, du coup, hop, une petite éclair de sorcière. Ah ouais? Ouais, carrément. Très bien. Et ça va toucher. Et du coup, sur celui-là, hein, puisqu'on voit que celui-là. Mais tu le vois très bien. Ah! Au secours! Oui, qu'il est déjà, il est pas bien. Ça a pas l'air d'être un combattant, en tout cas, celui-là. Afir. Alors, je lis un sort, ouais. Allez, on va tester ce sort là. C'est un petit nouveau sort, on va voir ce que ça donne. Sommeil ? Non, fracassement. Fracassement, je connais bien en tant que MJ de Will. J'en ai bouffé. En même temps, je suis en train de réfléchir, c'est 3 mètres de rayon, ça risque de toucher Krouske.
Non, tu me fonds de la pièce. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est pas forcément ça. J'ai pas les deux. J'ai pas les deux gars, quoi. Ah, si, 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 si tu me l'as, t'as les deux gars, je pense. Hein. Vas-y, parce que c'est pas centré sur toi-même. Tu le centrais ici. Ça ferait ça, là. Ça truc, ouais, mais regarde, elle est dans les 3 mètres, quoi. Ouais. Comme il a fait là, c'est bon. Ouais, mais... Comme j'ai fait là, ça passe. C'est les rayons 3 mètres, hein, donc. Ouais, 3 mètres de rayon, ouais. Ouais, mais non, regarde. Kroos qui est dedans. Non, non. Pas dedans. Alors, comment t'as fait j'ai pas vu... Ah oui, comme ça, là. Si tu passes, vu que t'as pas la vision, tu vois pas le truc, mais. Ah ouais, tu le fais partir de derrière. Ouais, mais c'est un son, en fait. Je balance un son, alors je sais pas si ça passe à travers les murs, quoi. Mais là, ben, tu le balances contre le mur là, et ça fait du bruit jusqu'à eux, en fait. C'est juste arrivé. Ah ouais, c'est pile poil devant, ok. Ouais, oui. okay. Du coup, c'est ce que tu souhaites faire, et on te dit que c'est possible, donc tu le fais. Et c'est. Est-ce que j'ai un jet de quelque chose à faire? Alors, tu as. Je lis tout ça. Parce que moi, c'est plutôt foudroiement, je sais. Sauvegarde de constitution, ouais. Quand ils sont super forts en position. DD13. Je vais te lancer ça. Oui. Très bien. Je l'ai foutu là. Et du coup, ce sont des dégâts de tout là. De tonnerre. Ouais, c'est ça, ouais. De foudre, ouais, électrique, quoi. Et bah, tu vas voir les deux cultistes s'effondrer au sol. Tu vas tirer les oreilles. Ah ! Et en fait, leurs tympans ont explosé. Il y a plein de sang qui coule de leurs mains qui sont sur leurs oreilles, dans leurs coups. Et bah ils courent un peu dans la pièce et ils s'effondrent très rapidement. Tu as fait imploser leur cerveau, quoi. Les pauvres. Du coup. Un peu mal. Enfin, je me sens. Moi, pour l'instant, j'ai rien fait, mais. ils avaient pas l'air si méchants, quoi. Léo, c'est à toi, du coup. Bah, du coup, je range mon arme et je rentre dans la pièce en la regardant un peu de manière méprisante. D'accord. je fouille comme s'ils n'étaient pas là. Très bien. Bah, tu peux me faire un jet de perception si tu veux. Je trouve qu'en 6 secondes, t'auras pas le temps de trouver grand chose. Mais... Non, mais ceci. Voilà. Tu vois rien privé dans la pièce, c'est juste. C'est leur pièce d'entrée, donc tu vois quelques chaussures qui sont laissées à l'entrée. Voilà, tu vois qu'ils posent quelques trucs sur le meuble, mais rien d'important. C'est une paire de gants ou ce genre de choses. Des trucs de la vie de tous les jours, quoi. Si ils veulent pas qu'on rentre, ils ont des choses à cacher, forcément. Mais c'est pas forcément des biens matériels. Kazuga. C'est un truc d'aventurier, ça. Ouais. Si on regarde la caserne, il n'y avait rien dedans. À part des zombies. Ah ouais. Oui, mais... Oui. Du coup, je rentre. 1, 2. Il y a une porte, là. Oui. Elle est ouverte, je peux l'ouvrir. Bah, est-ce que tu veux essayer de l'ouvrir? Ouais, j'essaie de l'ouvrir. Il y a un démon majeur. Non. Tu l'ouvres et au moment où tu l'ouvres, eh ben, ils vont tous t'attaquer puisqu'ils attendaient peureusement derrière la porte. Je les attends. Mais n'étant pas les meilleurs combattants que les royaumes oubliés aient porté, il n'y en a qu'un seul qui va te toucher pour 2 pauvres pandéiens. Il te touche du bout de la lame, tu sens que son coup est assez hésitant, il n'a pas vraiment envie de se battre. Je leur dis bon, c'est fini maintenant là. Allez, rendez-vous tous dans le coin. On va plus tuer tout le monde ici, s'il vous plaît. Et je vais. C'est moi qui vais prendre pitié. Mais jamais, on peut pas se rendre. Vous préférez donc mourir? On n'a pas le choix. Et Krusk, c'est à toi. Donc là, je rentre. Et je vois que dalle. Comment ça tu vois que dalle? Du coup je reste un peu derrière comme ça. Non, il faut que je sois au contact. J'avance, je plante ma hache au sol sans toucher qui que ce soit et je regarde et je fais. Et là vous allez écouter. Vous vous rendez? Ah, tu vois qu'ils ont peur mais ils ont pas l'air d'avoir l'intention de se rendre. Non mais sinon ce qu'on fait c'est qu'on les prend, on les attache quoi. Voilà. C'est des gars meubles. Je voyais le bon. Je peux pas tuer des gens comme ça. Elena. Pas très bien. Moi, je vais rentrer dans la baraque déjà. Hop. Tac.
Et bah, je vais faire un trait de feu, hein, tant pis, ils veulent pas. Hop, petit trait de feu, tac, sur le premier devant. Hop, celui-là, et hop. Sur celui qui est au milieu, très bien. Donc on a vraiment entamé les hostilités, là. Et bah, tu vois que tu le touches, effectivement, tu le touches en plein torse, et sa petite armure en cuir est désormais marquée de ta flamme. Affir. Bon, je vais essayer de les endormir. Ah, le meilleur sort de Donjon Dragon. Sauveur. Alors déjà, je vais rentrer quand même. Parce que, bon, tu peux en rentrer au moins deux, quoi, en moyenne. C'est des humains... On va voir, je sais pas, ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de PV, en tout cas. Je mets au milieu pour essayer d'avoir les trois, quoi. Pour essayer de voir les trois, ouais, là je les vois, ok, nickel. Et puis bah, je vais viser le premier et puis on va voir ce qui se passe, quoi, de toute façon. Hein. De toute façon, sommeil, c'est une zone. Ouais, c'est une zone, ouais. Non, même pas, je crois qu'il faut juste que les cibles soient 6 mètres les unes des autres. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est une chaîne plus qu'une zone. Alors, sommeil. 19. Oh, c'est pas ouf. Non, c'est pas le meilleur jet du monde. Oh, quoique, c'est pas si dégueulasse que ça au final. Ah non, c'est des 8. Ah non, c'est pas terrible. Et bah, tu vas voir. Sous la moyenne. Donc, c'est le plus bas, je crois, qui commence à tomber. Et au fur et à mesure, ouais. C'est. Tu vas voir celui du milieu et celui qui est à sa gauche, donc à votre droite. Enfin, gauche de l'écran, mais à votre droite en tant que personnage, ouais. qui tu le vois s'endormir. L'autre est encore debout. Et voilà. Et ce sera tout pour moi. Bien joué. Très bien. Il me semble qu'il y en a quelqu'un qui peut utiliser une action pour les réveiller, non ? Oui, tout à fait. Ouais. Et bien, celui qui est réveillé va utiliser son action pour réveiller l'autre, qui va utiliser une action pour réveiller l'autre. Du coup. Ils vont tous se réveiller entre eux, donc lui, action et réveiller. S'il se réveille, il peut pas agir. Hein. Il peut pas agir ? Ok, ça marche. Ouais. Ah, c'est pas il se réveille, boum, il percute l'autre direct. Je crois pas que ça puisse... Ok. Et bien, il se passe ça, et vous voyez celui qui est au fond... Qui bah c'est Fabrique, hein, celui à qui vous avez parlé, vous parliez autrefois. Vous le voyez boire une petite fiole qu'il avait autour du cou, et vous le voyez sortir. Ah. Léo, c'est à toi. Moi j'ai pas vu ça, du coup. Il dort pas lui. Je les aurais bien bousculés, mais. Il y a que celui qui est le plus à gauche qui dort. Yep. Est-ce que je peux le bousculer pour passer ? Tu peux tenter de le bousculer pour passer. Bah, je tente de le bousculer pour passer, après il dort, donc je sais pas s'il y a... Ah, celui qui est sur le côté ? Bah, faudra bousculer vraiment celui qui est devant la porte, quoi. Ah ouais, je peux pas faire genre... je passe comme ça, et puis après... Bah là, c'est chose que c'est un passage de porte, quoi. Je crois qu'il y aurait, pas eu la porte. Tu peux pas passer s'il y a un ennemi et un mur à côté. Mais, ah ouais. Mais c'est un souvenir d'avoir lu ça dans les règles. Mais tu peux toujours essayer de bousculer celui de milieu si tu veux. Bah, je vais le bousculer parce que j'ai peur de le tuer si je le tape. Forte chance que tu le tues si tu le tapes. Après, tu peux attaquer, faire les dégâts et dire je le tue pas, quoi. Ouais, c'est non létal. Sauf si c'est un sort. Alors, bah, qu'est-ce que tu décides ? Tu frappes avec le blade dans l'étal. J'essaye de mettre un grand coup de pommeau sur le crâne. Par exemple. Ouais. Donc, pour ça, il faudra d'abord que tu arrives à passer de l'autre côté. Ah oui, ah oui, non, c'est vrai que pas, oui. Tu ne tapes pas à distance avec ton épée. Bah. Effectivement. Est-ce que oui ou non, tu veux passer de l'autre côté ? Ouais, je vais tenter de faire une galipette avant et puis hop. Je tente de faire une galipette avant pour passer le tour. Un roulet-boulet, ok. C'est l'heure de la galipade. C'est quoi, c'est acrobatie, c'est ça, non ? Dextérité. Très bien, tu arrives à passer sous lui. Tranquille. Et donc, du coup, là, je peux. Bon, en fait, non, du coup, je tape pas, du coup. Si je suis passé de l'autre côté, je tape pas. Ok, je le respecte un peu. Kazuga. Oui. C'est tout. Non, c'est tout.
C'est une action bonus, si c'était la question. Ouais, mais non. De faire ton roulé. Ok, Kazuga. Bah écoute, je vais l'empoigner, le bus, là. Tenter de le maîtriser, de l'attacher. Est-ce que j'ai de la corde? Si peu de respect. Si t'en as pas, j'en ai, je peux t'enfiler. Hein. Je regarde ça, torche, ration, corde. L'équipement d'un je vais tenter ça, voilà, tout simplement. Je l'empoigne, je le retourne et je commence à l'attacher. Parce que je pense que je vais pas l'attacher en 6 secondes de tous les cas. Il va déjà falloir essayer de l'empoigner. Alors, empoigner, c'est juste un jet de force contre la force ou il faut d'abord faire un jet d'attaque, savoir si tu touches pour avoir le droit à ton jet de force? C'est force en opposition. Ok, bah vas-y. Je peux utiliser dextérité pour information. Très bien. Eh bien, tu arrives à l'empoigner. Krosk. Il peut plus bouger, c'est le moment de frapper. Attends, l'empoigner, deux secondes quand même, je m'avance avec lui histoire de laisser un passage. C'est possible. Ourson. Bah là, c'est compliqué parce que t'as Léo derrière, donc. Tu veux passer par là? Ouais, voilà. Et le mettre là, quoi, tu vois. Ok. Possible, hein, tu me dis. Ouais, vas-y. Du coup, je fais ça. Et je le pousse, lui, là. Ici. Vu que l'autre, il dort. Ousk. Bah, moi, je vais aller à la poursuite de celui qui est parti, là. Ok. Tu peux... Bah vu que l'autre il est empoigné, je veux dire qu'il peut pas. Après tu vas quand même prendre une attaque d'opportunité du Jean-Claude là. Oui, ouais. Yep. Qui va te toucher pour 2 points de dégâts. Je l'avais pas vu, ok. Et pour empoigner, il faut l'attaquer. Ah ouais. Du coup, 2 attaques d'opportunité. Et 2 points de dégâts. Et en fait au moment où tu sors, tu vas voir que ce fabrique, celui qui fuit, tu vas le voir en fait s'enfuir très loin en volant. Il est en train de voler et il part par-dessus de la végétation, etc. Tu pourras pas. Tu vois que tu ne parviendras pas à le rattraper. Je me frotte les yeux en me demandant si j'ai pas abusé de quelque chose au passage. C'est possible. Oui. Vu tout ce que tu bois toute la journée. Non, attends, là ça a fait toute la journée où on était en quête de plein de trucs, on a fait plein de trucs, et j'ai pas eu le temps de picoler. Donc là, non. Je suis pas d'accord. C'est vrai. Je suis à jeun. Elenae, c'est à toi. Ouais, je vais attendre, je vais passer mon tour, parce que je peux pas faire grand-chose avec mes sorts, je vais les tuer, donc... Je reste là, je vais fouiller le corps du mec là, à côté de moi. Oups. Voilà. Ok, je vais fouiller ce mec là. Bah, je vais rebalancer un autre sort de soie. Ah, d'autres sorts, oui, un autre sort de soie de sommeil, pardon. De sommeil, ok. On va essayer d'en dormir les deux autres, quoi. Ce serait pas mal, effectivement. Alors, sommeil, hop. Ah bah oui. Ça serait très beau, j'ai pas compris. Faire ça au premier lancer, ça aurait été bien. Bah oui, mais écoute, hein, voilà. Et bah tu vas effectivement tous les voir s'écrouler de sommeil et perdre connaissance, donc. Bon, ça c'est fait. Ah, bah je suis content, j'ai pas tué des humains qui ne m'avaient pas attaqué, donc mon or est sauf. Quel homme. On les attache, voilà, on les attache. On les attache, ouais. Vous aimez bien faire des prisonniers. Bah, cordes. Ouais, moi je peux en fournir un peu. Alors, qui les attache? Je suis pas un spécialiste de deux personnellement. Moi je peux bien les attacher. De toute façon, moi je vais re-rentrer. Je vais leur raconter aussi que j'ai vu l'autre partir en volant. C'est un peu quand même bizarroïde. On l'a vu boire une potion avant de partir. C'était peut-être l'effet de cette potion. Ouais, enfin, ça reste quand même chelou. On a une magicienne qui balance des boules de feu avec ses mains, quoi. Vas-y, il arrive. Ouais, alors ça, je m'y suis un peu plus habitué. Tu vas être le plus doué avec tes mains, fais-leur un beau nœud, s'il te plaît.
Je fais un jet de... Bah, tu me fais 3 jets de dextérité, du coup. Yes. Bah, je l'aide, moi aussi, donc... Bah, j'aide aussi, mais... Du coup, on a l'avantage ? Bah, c'est... Non. Fais des jets simples. C'est difficile d'aider pour faire des nœuds. C'est vrai. En les tenant assis... Ils sont déjà en sommeil, donc il n'y a pas de... En voyant les poignets pour que tu prennes bonne place. Très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? On les réveille ? On les ramène aux druides ? Bah... On fouille la baraque en premier. Ouais, après, on va fouiller la baraque déjà. On va voir ce qu'ils foutaient là. S'ils avaient des trucs de valeur éventuellement ou des trucs intéressants. Est-ce que quelqu'un a un sort pour les faire parler. Ah, peut-être qu'ils travaillent pour l'araignée et ils veulent employer le dragon pour l'araignée. Peut-être. Trouver des indices sur eux, quoi. Moi, j'ai pas de sort. J'ai juste un sort pour parler en télékinésie, mais. En télépathie. Télépathie. Mais non, c'est tout. Sort pour les amadoués ? Non. Non, du tout, malheureusement. Sinon, on a un parchemin de charme personne. Ah bon ? Oui, on a un parchemin de charme personne. Eh bah, ce serait le bon moment de l'utiliser, je pense. À moins que quelqu'un fasse des affaires. Bah non, moi j'ai rien de spécial pour charmer en tout cas. Plus pour persuader. Déjà, on peut commencer par fouiller la pièce et puis voir si on trouve. Oui, déjà, oui, effectivement, fouillons la pièce. Et puis comment fait... De quoi le sort ? Ouais, de sommeil. Sommeil, je crois que c'est 10 minutes, sommeil. Ouais. Ah, quand même, ça. Du coup, bah, vous avez aucun mal à voir que sur le milieu de la table, il y a un petit coffret qui contient 3 beaux diamants, une valeur de 100 pièces d'or chacun. Ah bah, on a déjà acheté exprès. Ah, parfait. C'est un peu couillon. Hein. On aurait déjà dû venir directement ici en premier. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. On va les revoir. On pouvait pas savoir. On pouvait pas savoir. Tu dois en garder un, parce que ça pourrait servir pour un sort futur, peut-être. Ouais, ou des fois que ton diamant se casse, on sait jamais. Même si c'est. Foutir le diamant, ça sert pas à faire des résurrections. Ouais, mais de toute façon, nous n'avons ni le niveau, ni. Je crois que c'est plus cher le diamant. Le niveau, c'est métal, hein ! Attention ! Ah oui, effectivement. Il faut des plus gros diamants pour ça. L'expérience. Ah 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 ah. Sinon, est-ce qu'il y a des bouquins, des lettres, quelque chose qui serait planqué, qui aurait. Ouais, c'est ça qu'on cherche, ouais. Ouais, plutôt des indices, parce que l'argent, ouais, bof bof, quoi. J'ai un truc dans le faux plancher. Ah, vous avez pas fouillé, à part Elena qui. On fouille, ah, si on fouille, ouais. Oui. Je fouille aussi. Bien sûr. Moi, je ne fouille pas. Et bah. Hop. Bam. Eh bien, vous ne trouvez rien. A priori, c'est une maison classique dans laquelle ils vivaient paisiblement avant votre arrivée. C'est triste. Ouais, bah, ils vivaient avec des masques. Et... Ouais, voilà. Déjà, ouais, déjà. On va rien dire, franchement, c'est souvent qu'ils ont quelque chose à se reprocher quand même. Et ils ont rien sur eux, ils ont rien de. Ça, c'est l'image qu'il y avait des masques. Ils n'avaient pas vraiment des masques. Mais moi, je suis d'accord avec toi. En vrai, je regrette un peu qu'on soit là, mais soit allé un peu violemment, même si, personnellement, je n'ai pas usé de force disproportionnée. C'est pas moi. Dit-il pour se donner bonne conscience. Du coup, mes chers aventuriers, que souhaitez-vous faire ? Ils ont rien sur eux, je demande, quand même. Bah, à part une très belle cape noire. Ouais, non. Voilà, ouais. Okay. En fait, c'est une très belle cape noire avec dessus brodé en... C'est une sorte de gris clair, mais ça fait vraiment un petit contraste assez beau. Un beau dragon. Eh ben écoute, moi je suis là pour les boulis, du coup je leur prends leur cape noire. Eh ben, très bien, à leur réveil, ils n'auront plus de cape noire. Ce que je propose, c'est que j'en prends un, mais trois, que je vais amener à l'extérieur, et avec quelqu'un qui puisse balancer charme personne sur lui, et on essaie de le charmer pour avoir le fin mot de l'histoire. Voilà. C'est le plan. C'est mon plan. Alors, mais est-ce que quelqu'un a le sort ? Alors, moi, j'ai pas le sort, mais je peux, avec le parchemin, enfin, je l'ai dans mon.
dans mon. Il faut juste l'avoir dans la table ouais. des sorts de sa classe. Ouais, tout ouais, à fait, pas... ouais. Ok. Il faut qu'elle soit éligible à la classe. Ok, je pensais qu'il fallait également connaître le sort directement. Non, c'est l'intérêt du parchemin, justement. Même plus abusé, ça veut même là on a un parchemin de boule de feu, c'est-à-dire que théoriquement, Elenae peut déjà lancer la boule de feu avec le parchemin. Effectivement. Et je peux l'avoir tout le temps ? Non, c'est ah, une ouais, utilisation. Ouais. C'est un usage unique. Mais tu peux balancer un sort de niveau 3 gratuitement. Quoi. Voilà. D'accord. Alors, vous prenez lequel dehors ? Ouais, on prend celui qui avait l'air le plus. Ils se ressemblent tous, regarde là, ils ont tous le même masque, ils ont tous la même gueule. On peut pas de discrimination physique ici, on prend. Voilà, on prend celui du milieu, voilà, il est au milieu. Il était là, ouais, je peux rien dire. Bah, il est blessé, surtout celui du milieu après. Ouais, c'est ça. Ah, il est blessé, ça va. C'est sur le papier, c'est méta ça. C'est juste pris une boule de feu, quoi. Et donc, du coup, on le réveille, j'ai eu des petites claques. Réveille-toi. Oh. Tu vois que tout doucement, ses yeux s'ouvrent, il reprend connaissance et il est un peu terrifié en voyant. Tu le vois un peu tout tremblotant. Et une fois qu'il est réveillé, je crame le parchemin. De charme personne. De charme personne, voilà, tout à fait. Donc tu peux enlever le parchemin de charme personne de l'inventaire. Ok. Pourquoi vous m'avez attaché ? Ah, c'est parce que... Ah, c'est un jeu. Bah, vous êtes con, bah détachez-moi. Ah bah, c'est pas le jeu. Le jeu, c'est que tu sois attaché et que tu répondes à nos questions. Bah, c'est pas marrant comme jeu. Vous êtes c'est super drôle. Nous, on aime bien. Est-ce que le sort a fait effet ou pas, Ourson ? Ouais, bah, ça a l'air d'avoir fait effet. Bah, du coup, je détache. Ah, bah merci. Bon. Il est pas marrant, votre jeu. Bah, non, si. Mais c'est des jeux de ouais, un peu bizarres. C'est des jeux, c'est des jeux de grandes personnes. Tu vas voir, il y a des bonnes questions à te poser. Qui ça ? Bah, ton ami. Là, bah, moi, là. Je suis ton pote. Ah, ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux ? Ah oui, mais c'est vrai que le charme personne, si vous êtes à côté, ouais. Ah ouais, mais... Il voit... C'est notre pote, quoi. C'est notre pote. Maintenant, c'est notre pote, quoi. Ah non, c'est ton pote à toi, mais c'est pas le pote de Léo, ouais, Julia. Oui, effectivement. Donc en fait, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il est complètement terrifié. Il est... On repart du principe quand il était encore attaché. Il comprend pas du tout ce qu'il fait autour de vous... aide-moi là, tu vois pas qu'ils vont me faire du mal encore. Et tu vois qu'ils glissent un peu sur le sol, les fesses dehors. Ok, reste à côté de moi, ils te feront rien. Ok, t'as raison, Laissez-le tranquille. On s'en va. Éloignez-vous un petit peu, voilà. Revenez dans la baraque, comme ça. Presque, ouais. Mais, effectivement. Sans... Mais là, ils sont passés à travers un mur. Je fais le tour. Ils sont super forts. Ah non, moi je suis resté dans la baraque. Je reste à côté. Oui, oui. Tiens, là, attends, pourquoi elle nous regarde, la folle, là ? Ah, ça gêne, putain. Oh, mais c'est juste qu'elle s'inquiète un peu pour moi. On sait jamais. Tu sais, c'est les amis, quoi. Oui, mais pourquoi je te ferais du mal ? C'est n'importe je quoi. Je sais pas. Et pourquoi je suis attaché ? Je te connais pas. Je te détache. C'est mes amis, là. Mais déjà, ils cassent notre porte. Après, ils rentrent et... Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis endormi et je me réveille, je suis attaché, c'est bon. Ah, c'est bon. Nous, on est là tranquillement, on fait nos recherches et... Oh. Tu fais des recherches sur quoi déjà ? Tu m'en avais déjà parlé la dernière fois, là. On cherche à faire une... On apprend un peu plus sur le dragon et à faire une alliance avec lui. Mais pourquoi tu veux faire une alliance avec lui ? Je comprends pas. Bah, tu sais très bien que c'est le but de notre culte. C'est juste de vous allier au dragon. Ah ouais ? C'est le culte du dragon. On est là pour avoir la connaissance et la puissance des dragons. C'est un peu con quand même. Toi, par exemple, t'aimes bien la musique. Bah nous, on aime bien les dragons. Ok. C'est comme si on cherchait à, tu vois, connaître des nouvelles chansons. D'accord. Et nous, on veut connaître des nouveaux dragons. Ok.
Et tu vous voulez rien faire de mal avec ce dragon quand même, quoi. Non. On veut juste faire une alliance avec lui. Ouais, mais s'il est méchant et qu'il vous demande de tuer des gens, tu réagirais comment? Non, bah alors nous, on tue personne déjà. Ouais, mais si c'est votre pote le dragon, et le pote le dragon, il vous dit ok, on fait une alliance, mais en échange. Ouais, mais les alliances de dragons, ça marche pas comme ça, les alliances avec les dragons. C'est plutôt. Ça marche comment, alors? Bah, c'est plutôt on leur apporte des choses, on leur fait des cadeaux, et puis ils peuvent nous rendre des services. Bah ouais, justement, et si vous demandent de rapporter des gens pour qu'ils les mangent? Non, mais les dragons, ils ont pas besoin de nous pour manger, ils chassent, ils ont pas de problème, t'inquiète pas. Ils préfèrent les trésors. Je vais faire un petit sort de message à Katsuga et je lui demander s'ils connaissent déjà d'autres. Enfin, qu'il lui demande s'ils connaissent déjà d'autres. Enfin, ils ont déjà rencontré d'autres dragons et tout ça. Ah, moi, à Afir, tu ouais. veux dire. Ouais, Afir, ouais, excuse-moi. Pas de problème, c'est pas grave. ok, donc du coup, je reçois ça, je suppose. Ouais, ouais, parce que du coup. Ouais, tu l'entends dans ta tête. Enfin, c'est un chuchotement que seul toi peux entendre. Ok. Et. T'as déjà rencontré d'autres dragons ou c'est le premier dragon que tu rencontres? Bah, moi non, c'est Fabrique qui a monté ce groupe où on est un peu tous débutants dans le culte et c'était un peu notre mission pour l'entrée dans le culte. Il est où d'ailleurs, Fabrique? Bah, je crois qu'il a fui. Il a eu peur et il vous a laissé franchement en plan. Comme des serpillères. Ah, c'est demande pas cool. Si c'est pas où il est parti. Tu serais pas où il est parti d'ailleurs, ouais. C'était pas cool quand même de vous laisser comme ça. En même temps, avec les malades qui nous sautent dessus, j'en sais rien. Il a couru pour sa vie. On n'a pas de. Et nous, on n'est pas des guerriers, on n'est pas des aventuriers, on n'a pas de plan de retrait ou quoi. Enfin, je pense qu'il est juste allé se cacher n'importe où. Ouais, il est juste parti, quoi. Et il habite. Okay. Demande-lui si c'est où il habite ou comme ça. Enfin, s'il a. Et vous aviez des lieux avant de vénérer les dragons. Vous habitiez peut-être tous dans un même village peut-être. Non, on a tous notre maison où tout le monde habite. Moi, j'ai une maison pas loin de Neverwinter, mais Avric, lui, je sais pas où il habite. Tu sais pas où il habite? Non. Mais t'as pas l'air vraiment de le connaître, ce Fabrique. Bah, je le connais via le culte, mais ça fait pas très longtemps que je le connais. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. Et il y en a d'autres comme ça, à part eux. Ouais, il y a d'autres cultes comme vous. Vous connaissez d'autres gens D'autres membres. D'autres membres ou vous êtes que vous D'autres quatre, membres du culte du dragon. Bah, ouais. Dans la région, je sais qu'on. Normalement, on est le seul groupe. Il n'y a pas 35 dragons. Mètres carrés, hein. C'est assez rare quand même. Ok. Là, j'ai l'impression que notre mission est un peu tombée à l'eau, quoi. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Parce qu'un peu notre but aussi, c'est un peu de buter le dragon, donc. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, parce que c'est un dragon. Mais pourquoi tu veux le buter, le dragon? Mais ça, tu vois, c'est comme les requins. On dit qu'ils sont méchants, mais c'est parce qu'on les connaît pas, en fait. Bah. C'est pas, effectivement, c'est pas con. C'est un bon raisonnement que tu as là. J'en parlerai peut-être avec mes copains et on verra. On mènera peut-être le culte. Mais bon, après, tu sais, les dragons, ça a plein de richesses. Nous, on aime bien ça, la richesse. Si c'est que l'argent qui vous intéresse, voilà, c'est sûr, mais bon. Bah, techniquement, toi, c'est un peu que le pouvoir qui t'intéresse, quoi. Non, c'est les connaissances des dragons. C'est ouais, ça, bah les connaissances, c'est un peu le pouvoir, quoi. Un petit peu de ça, quand même. Tu vas pas le nier, Tu vas pas le nier. Non, bah c'est vrai que ce qui est intéressant chez le dragon, c'est qu'effectivement, c'est des créatures puissantes, mais... Si tu fais des recherches sur lui, c'est... C'est toujours impressionnant. C'est que t'as envie d'avoir... De te sentir un peu plus fort, quoi. Un petit peu plus... intéressant, je sais pas, un peu plus... On cherche tous quelque chose de différent. Après, si vous, c'est l'ordre, voilà. Moi, j'espère juste que vous ferez pas de mal à ce dragon. Bah, écoute... Après, a priori, je peux rien y faire. On n'est pas encore vraiment décidé. Il dure combien de temps, ton sort? Une heure, je crois, j'ai regardé. Une heure, ok, large.
Moi, je propose qu'on les laisse là, hein, franchement, du coup. Et c'est quoi le rituel du père? Et on pourrait pas le ramener à Red Hot? Et ouais, tu sais quoi, du mec là qui, ouais, du mec qui vit de l'autre côté. Le druide. Je sais pas, j'ai jamais croisé personne. Je pensais qu'on était seul ici. Ah ouais? Effectivement, vous avez l'air de faire beaucoup de recherches. Ok, ça marche. Moi, ouais, je demande à Pétali comment ils font pour passer un pacte avec un dragon. Donc du coup, bah, au pire, ouais, tu me le dis à moi et je transmets l'information. Oui, mais il y a une méthode pour faire un pacte avec le dragon. Vous pensez vous y prendre comment à la base, quoi? Bah, ça dépend des dragons, mais nous on nous envoie ici, on devait normalement lui offrir 3 beaux diamants et après, ouais, bah, commencer à discuter avec lui, mais Fabrique il est parti avec les diamants. Ouais, bah, je crois que ton pote il est parti avec, ouais. Ouais, bah c'est normal, il a dû protéger, bah oui, il doit protéger ce trésor sa pour mission. Bah oui, c'est complètement c'est assez professionnel de sa part, en fait. Ouais, je suis d'accord, c'est pas mal. Il est plutôt intelligent, ce Fabrique. Ouais. Fabrique, pardon. Ok. Des et questions coup, Demande-lui s'il n'a pas moyen de le recontacter. Mais ouais, vous avez un code secret, un truc qui vous permet de vous rejoindre à un endroit. Bah là, comme ça, non. S'il est parti, je sais pas. Vous avez pas un quartier général, quoi? Le quartier général du culte des dragons. Quand on doit se retrouver, on arrive toujours à se retrouver, mais... Ok. Je peux en parler comme membre du culte. En tout cas, votre vie a l'air passionnante. Demande-lui comment ils font pour se retrouver, du coup, puisqu'ils parlent que s'ils ont besoin de se retrouver, ils se retrouvent. Ils ont bien à avoir quelque chose. Moyen de contact. Je lui ai demandé, mais je crois que je peux lui répondre, hein, je crois, hein, il me semble. Ouais. De toute façon, Je lui dis, effectivement, écoute, je lui demande, mais apparemment, il n'y a rien de particulier, quoi. Laissons-les crever, ces mecs-là, franchement, quoi, ils servent à rien, sans les crever. On n'a qu'à les amener à Red Hot. Ouais, mais Red Hot, il s'en fout, quoi, il en a pas besoin. Red Hot, ils s'en tapent, on va les laisser là, on a pris quelque chose, ils n'ont plus rien à faire ici, on a pris leurs diamants. Ouais. Leur chef, il est parti. J'ai un miracle qu'ils soient encore en vie, quoi, franchement. Bon, ok, bah c'était cool en tout cas de discuter avec toi. Plaisir partagé. Ouais, ouais, bah, écoute. Écoute, à une prochaine, j'espère. J'espère que tu seras pas avec les autres zigotos, quoi. Ouais, t'inquiète pas, on se boira une bière tous les deux, quoi. Bon, bah, écoute... Franchement, ça commence à devenir... En fait, ouais, c'est clair. Et puis, bah, bonne journée et bonne continuation dans votre culte. Bah, je vais pas aller plus loin parce que... ça risque de déborder. Bon, on en fait quoi des deux autres? On les détache et on les laisse tranquilles? On laisse le gars là, un peu charmé encore là. Il va... Tu lui demandes de rester là. Reste ici devant lui, tu vois. Et ensemble, ouais, là, quoi. Et dans 10 minutes, le soir, il sera fini. Et il ira détacher, ouais, ses, ouais, pas, ouais, besoin de, pas besoin de lui dire rester ici. Il fait ce qu'il veut. L'animal de compagnie. Ouais. Bon. Bon, bah, une bonne perte de temps en tout cas, c'était cool. Ouais, ouais, c'est pas mal une perte de temps. J'avoue. Bon, bah, quittons cet endroit et allons taper de l'orque, moi je dis. Et de par chemin, ouais, aussi. Franchement, là, j'ai envie de me défouler, je sais pas pourquoi. Il a été bien utilisé ce par chemin parce qu'il nous a permis de savoir qu'on avait perdu du temps. Moi, exactement, perdu du temps et un par chemin, ouais, c'est pas faux. Se dire, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On y retourne, on va parler au bout de l'eau. La question, est-ce qu'on va check la tour? Non, on ira une prochaine fois, je pense. On ira ici, on viendra, on sait qu'il y a. Après, on peut t'attendre et tu peux aller checker la tour si t'as envie d'y aller, quoi. Non, tout seul, je prendrai ça. Je me disais aussi. Du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant? Bah, on va
On retourne à Fondaline. On retourne à Fondaline. Ouais, on retourne à Fondaline. À la base, on était juste venu récupérer quelques potions et. Et un coffre. Et un coffre, on a récupéré. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on, c'est bon, on peut aller taper de l'orque maintenant. Ouais, il y avait une. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, il y a les orques, quoi. Ouais, les orques allaient taper l'espèce de. De groupe d'orques qui fréchait un peu. Et on n'avait pas aussi le gobelin qu'on devait aller avec le manoir là, je sais plus comment. Ah bah le gobelin, on l'a complètement oublié, je crois. Donc le gobelin, ouais, le gobelin, il est attaché. Ah non, si, on l'a pas laissé à quelqu'un. On l'a mis en tôle chez le maire. Ouais, vous l'avez laissé en prison chez le maire. Ah oui, c'est ça. Exact. Eh ben on peut faire ça, on peut aller récupérer le gobelin et aller au manoir où on va taper. Se taper de l'or, quoi. Ça nous fera un petit peu d'expérience. Ça nous fera déstresser un peu. Et puis, ouais, ça nous fera un peu déstresser, ouais, j'avoue. Le but, c'est d'aller quoi, à Fandaline, pour après aller tuer les orques? Ouais, c'est ça, ouais. Mais les orques, ils étaient où, les orques? Ils étaient au sud, je crois, non? L'éperon de la Vouivre. L'éperon de la Vouivre. Ça, je crois que c'est le château, ça. C'est le château des Kragmaux, où vous êtes normalement censé retrouver votre employeur, Gundren. Bon, ça, on va là. Au bout d'un moment, il va se faire crever, lui, hein. Peut-être. Bah écoute, il y a un moment. C'est sur le passage de capture. Il voulait quoi, qu'est-ce qu'il voulait, Gundren? Enfin, je sais plus ce qu'on devait faire avec. C'est notre employeur. C'est notre employeur, quoi. Il nous a employés, c'est pour récupérer notre argent. Eh ben, on va là, sur le retour. C'est ça, c'est sur le passage. Voilà, c'est ça. On va au château. Ok, si vous êtes chaud pour aller au château, moi ça me va. Bah du coup on y va. Il y a quand même une armée là-bas, quoi. Une armée. On savait pas. Le gobelin, il devait pas nous servir pour aller au château, justement. Bah si. Eh ben on va à Fandaline récupérer le gobelin. Retour à Fandaline, en passant par la route. Qu'on passe par le tuteur. Très bien. Home sweet home. Il s'est peut-être passé des trucs entre temps à Fondaline aussi. Ouais. Peut-être les. Il y a peut-être deux, le retour des frères. Ouais, là, les deux frères, ouais, qui sont peut-être revenus. Ouais, parce que moi, je pensais éventuellement, tu vois, on sauve un petit peu, on sauve entre guillemets, hein, Fondaline de leurs quelques menus problèmes qu'ils ont. Et on essaie de recruter quelques. Recruter, entre guillemets aussi. Quelques gardes, quoi, pour essayer d'aller sauver Bidule, quoi. Ah, tu penses qu'on peut pas y aller par nous-mêmes Bah apparemment il y aurait je sais pas, il y aurait un assez gros groupement de d'orques et de gobelins là-bas, enfin peut-être pas d'orques mais de gobelins au moins. Après je peux demander, si j'ai bien compris, quoi. Moi, j'avais toujours laissé ma marque de voyous là sur la terre. C'est vrai, il y a ça aussi que tu peux aller voir, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il faut que j'y aille pour une bonne. Enfin, il faut que je leur demande quelque chose de précis. S'ils viennent avec nous, si j'ai une question particulière sur quelque chose. Ils vont avec nous, des brigands. Hein ? Non, ils vont pas. De toute façon, quand tu vois. Quand tu vas voir là où t'as laissé ta marque, tu vois que ta marque a été effacée et qu'à la place, Arthur t'a laissé une petite plume, ce qui te donne une inspiration. Ça, tu te sens bien quand tu le vois, tu sens qu'elle va te porter bonheur. D'accord. Tu gagnes l'inspiration. Inspiration, merci. Et alors, Fandaline, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier? Ou juste récupérer crever? On propose, parce que de toute façon, il nous faut la journée pour venir ici, donc ça me permet de récupérer mes deux points de vue que j'ai perdu, la coupe d'âme. Et après, ouais, on récupère le gobelin et on y va. Faut que j'aille voir si mes tonneaux vont bien, parce que je les ai laissés en pension et. Bah, tu vas pouvoir en ouvrir une pour ce soir. Comme t'es dans. Je suis un peu inquiet. Comme ça, tu récupères mon dernier dé de vie aussi. Bah, lance-moi un D20, Krusk. Sérieux? Ah, je vais défoncer de la tête si ça marche. Suspense. C'est bon, a priori, tes tonneaux sont bien entretenus, n'ont pas été touchés d'une seule goutte. Ouais, j'avais suffisamment grogné. Tout va bien. Et du coup, on se dirige vers la maison du maire.
Et on vient récupérer, le... Comment il s'appelle déjà le gobelin ? Crevé. Crevé. Crevé, ouais. Je regarde sur le panneau à l'entrée de la maison du maire, ou je sais pas, le panneau informatif. Mm-hmm. S'il y a pas des nouveaux trucs qui sont passés entre temps. Non, t'as juste marqué qu'il y aura. Enfin, qu'il y a une petite fête. Bah, faut être la date est passée, en fait, c'était pendant que vous étiez à Arbefoudre. Ils ont fait une petite fête pour fêter le fait que les fers rouges soient. Super! Soit prêt, ouais, soit parti. Super, quoi. Super. Bravo, quoi. Mais vu que vous avez décidé de partir. Sauveur, quand même, quoi. Mais vu que vous avez décidé de partir. Et par contre, en vous rapprochant, vous entendez vraiment des bris de fer. Comme quelqu'un qui, en fait, secoue des barreaux. Et puis, en fait, plus vous vous approchez, plus vous entendez, en fait, Crever qui est en train de hurler. Et puis, vous entendez, du coup, vous rapprochant. Libérez-moi! Libérez-moi! Crever, doucement. On est là, on va te libérer, Et il n'y a pas les frères là qu'on devait voir si c'était revenu aussi? Ah oui. En prenant des nouvelles à la taverne, on vous dit que non, ils n'ont toujours pas été revus en ville. Bah, eux, ils ont rejoint leurs frères, à mon avis. Je sais pas pourquoi. Bon, Crever, t'es prêt à nous amener au château du roi gobelin? Sortez-moi d'ici! On te sort d'ici et tu nous emmènes au château du roi gobelin. C'est pas super? Non, d'accord. Non, mais t'arrêtes de pleurer et t'arrêtes de hurler, ça va m'énerver. Non. Une fois qu'on est au château du roi Gob, on te laisse partir. Comme on l'a dit. D'accord. Et si tu nous amènes là-bas et que tu nous donnes un moyen de rentrer discrètement dans le château, tu seras libre, mais avec un peu d'or en plus. Oh. Non mais ça va pas la tête. Hein. Bon, on lui donne 5 pièces d'or, hein, il nous montrera pas ses secrets et on est refait quoi. Non, j'en veux 10. Allez, va pour 10. On reste à 5 et tu te détends. Non, mais c'est bon, je paierai. On a gagné assez, on peut lui filer ça s'il nous fait rentrer en mode. S'il nous fait rentrer en mode discret, on peut lui donner 10 pièces d'or. Ah, seulement si tu nous fais rentrer en mode discrétion, les 10 pièces d'or. Hein. On est bien. Attention. Hein. Très bien. Entourloupe. Hein. Et vous voyez ceux qui baissent la tête pour faire le mignon, il vous fait des petits yeux de croquer là. D'accord. Ouais. Faire ça, ouais. Allez, très bien. Bouge tes face. Vous vous rendez au château, du coup? Ouais. Ouais, on se rend au château. Très bien. Eh bien, je vais glissailler vos personnages. J'aurais dû mettre un jeton pour Crever. Ce bon vieux Crever. J'espère qu'il porte pas trop bien son nom. Enfin, je pense qu'il a bien porté son tenu. Je me dis que. On n'avait pas de bouclier, c'est tombé bien. Respectez-le un peu. Hop, je vais me mettre en. Ok. Pardon ? Je comprends pas trop ce qu'on voit. Un escalier. Il y a un escalier. Bah ouais. Je vous dis. Du coup, c'est au milieu de la forêt. En fait, plus vous vous rapprochez du château, plus moins les arbres sont présents en fait et sont coupés pour laisser place à ce bâtiment. Le château se compose de 7 tours effondrées de hauteur et de largeur différentes, mais dont les étages sont tous à divers stades d'écroulement. Une courte volée de marches mène à une terrasse devant l'entrée principale. Donc, ce sont les marches devant lesquelles vous vous tenez. Léo, vu que tu montes un peu les marches, toi tu vois qu'un couloir plongé dans l'ombre s'étend derrière le reste des portes écroulées. Des tours rondes dominent l'entrée, leur meurtrière enténébrée donnant sur la terrasse. Okay. Et Crevé, il vous fait signe. Il fait chut, par là. Et il vous pointe, du coup, de passer vers là-haut. Alors, vers là. Tu dois pas être sur la bonne carte, non? Je vous ai pas glissé? Si, moi j'ai vu, ouais. Attendez, je vais mettre lui là. Ça, c'est Crevé, d'accord? Très beau. Il est trompé. Il va comme ça, hop. T'as changé? Chut! Faut passer en dessous de la meurtrière. Tu vois qu'il avance tout doucement, hop, sous la meurtrière.
Il est sur la pointe des pieds. Passe en avant. Et ben discrètement, on fait de même. Ça, il est parti où, non ? Par là. Je sais pas, je vois plus rien là. Hop. Ah mais je vois plus personne là, c'est encore bugué, c'est pas possible. Et ben voilà, c'est bien. C'est que la carte elle charge, mais. Non mais j'ai l'impression d'être seul tout sur la map là. Bah effectivement, je te vois pas avec nous. Tu vois pas les autres ? Bah moi je te vois. Non, mais je pense que j'ai un bug sur relevant quoi. Elle a l'air fraîche. Ah. Si si. Et là effectivement, il vous montre que au milieu des décombres, en fait, vous avez une sorte de drap qui est vraiment enfin noirci et un peu gris par les décombres et qui se voit pas très bien, mais effectivement, il y a juste un simple drap. Il vous montre, il le décale un peu et que vous avez une entrée ici. Ah bah, c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt discret, effectivement. Ah, crevé, bravo. Bah du coup, je lui donne les 10 pièces d'or promises et je lui dis que tu es un gobelin libre maintenant. Et riche. Et tu le vois. Il y a des personnes qui sont autour là et qui sont dans le château. Je te le défonce en rentrant. Je crois qu'ils les aiment pas. On sait jamais. Ils les aiment pas. Juste dans le doute. Tu vois qu'il est parti. Il part en courant loin. Il part dans la forêt. Très content. Il est en train de chanter, de hurler. Alors peut-être qu'il s'est fait repérer, je ne sais pas. Mais. Sois libre, crevé, libre. Fais les bons choix. Mais crevé est libre. Je m'enlève 10 pièces d'or de mon inventaire. Du coup. C'est bon. Très bien. Alors que vous arrivez. Vous arrivez dans cette pièce. Cette tour s'est presque entièrement effondrée. Enfin, pour ceux qui s'avancent en tout cas. Mais il manque pas mal de gens là, non ? Ah non, vous êtes. Ah non, c'est le cajouille. Bien qu'il reste un peu d'espace dégagé au sol, des caisses pourries et de vieux tonneaux indiquent que l'endroit servait autrefois à stocker des provisions. Un lorido ferme zone effondrée au sud, tandis qu'une. Porte intacte donne à l'est. Et au nord, un court passage se faufile au milieu des décombres et se termine sur un écran de tissu que vous venez d'emprunter pour rentrer. Yeah. Ah, d'accord. Intéressant. Oh là, il y a plein de choses. On peut fouiller, ça détruit. Ah, voilà. Ça. La fouilleuse professionnelle, sauveuse des animaux. Nouveau. Tu peux fouiller si tu le souhaites. Alors, perception, hop. Bah oui. A priori, il n'y a rien de bien. De bien utile, quoi. C'est des. C'est. Voilà, enfin, tous les tonneaux et tout ce qu'il y a autour de vous, c'est un peu pourri, quoi. Ça a été mis là, parce que c'est un peu perdu. Quoi. Okay. Bon, je fais aux autres discrétion ou pas discrétion. Et je regarde Krusk, bien sûr. Bah moi, je sais pas par discrétion, moi j'ai des avantages sur tous mes discrétions en termes de règles. Quoi. J'ai mon armure quand je marche, elle fait cling 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 en permanence. Quoi. Moi, j'ai ma personnalité quand je marche, et ben ça fait beaucoup de bruit aussi. quand tu marches, ça grogne, c'est ça. Et ça. C'est un peu le problème, toi. Je respecte le droit du Nindo, mais là, j'en suis pas un fervent. Question là, c'est un drap là en bas. Oui, est-ce que je peux jeter un petit coup d'œil derrière le drap? Ça peut être un jeu de discrétion si tu veux. Et il va tenter son petit jet de discrétion. Oh là là, comment ils y vont sur les discrétions. Oh. Tu arrives à voir assez discrètement que c'est l'air d'être une autre pièce, un peu comme une. Comme si la pièce où tu étais et l'autre peut-être ne pourrait faire qu'une. T'es un peu dans le même type de décor quoi. Et tu vois un autre. Non, a priori, il n'y a personne. C'est une sorte de couloir et tu vois de l'autre côté, il y a encore un autre rideau. Et là, il y a une porte. Il y a une porte ici. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas la porte Tu ouvres le rideau, hein, Léo? Ouais, j'ouvre le rideau vu qu'il n'y a personne. Très bien. Et d'accord. Je vous propose qu'on prenne un chemin et. Et toi, Fier, tu ouvres la porte? J'entrouvre la porte afin d'y jeter un coup d'œil. Ouais. Discrètement. Enfin, fais-moi un jeu de discrétion du coup. Non, tu feras gaffe sur ton autre rideau. Forcément tomber sur quelqu'un. Bah oui, mais moi je me tiens prête derrière. Trouver notre employeur. Je reste bien derrière et prête s'il y a quelque chose. Tu en trouves et tu vois que quelques mètres plus loin il y a une autre porte. Ça a l'air d'être un couloir. Mais a priori il n'y a personne dedans. Ah, il est vide. Okay.
Bah, comme vous voulez, je vous laisse le guider dans ce dédale. Bah, en bas ou à droite, en tout cas, c'est les voies sont libres des deux côtés. Au pire, faisons peut-être plutôt les tours, donc je serais plutôt d'avis de partir à droite. Pareil, je pense droite. Ok. Commencer, et puis après on verra. Et bah, c'est parti. Tout doucement. Alors, je vois un rideau en bas, visiblement. Ouais, bah en fait, pendant que vous rentrez, en fait, vu que... surtout Kazuga fait... Mais Cruz qui est pas dans le bon couloir. Au moment où vous rentrez, en fait, vous avez deux hobgoblins qui rentrent. Ah, voilà. Bonjour. Et puis vous les entrant, vous les entendez hurler « Des intrus !» Et vous allez me lancer... Initiative. Oh là là, super. Bon, bah voilà, discrétion. Ah bah non, c'est bon. Discrétion terminée. Pour les losers. Est-ce que j'ai appuyé sur mon token? Oui. Non. Et voilà, je fais 20, je suis derrière. Ah, c'est pas possible. Et moi, j'ai. Ouais, je fais 20 et je suis derrière aussi, mais bon, après. C'est pas gênant, toi. Moi, ça dérange pas. Ah, mais c'est pas possible. Pour une fois, j'ai fait un mauvais jet d'initiative. Oui, bah, hein, souvenez-vous de la dernière fois que j'ai fait un bon jet d'initiative, c'était jamais. Alors, Krusk, c'est à toi. Krusk, c'est à moi, oui, je comprends bien. Non, mais je pense que je vais multiplier le nombre de monstres par deux. Après, il y a plus plein, ça tabasse. Bah, je sais pas quoi faire. Ouais, enfin, avec vos jets, ils vont pas faire long feu, je pense. Du coup, Krusk, bah, Krusk, ouais, t'es un peu... Tu peux essayer de faire le tour. Ouais, c'est ça. Bah, c'est tout à fait ça. Oui. Du coup, je passe par le rideau en bas. Faire le tour. Ah, mais Krusk. On va perdre Krusk sur ça. On va perdre Krusk sur cette action d'ici peu de temps. C'est quoi, c'est une porte là? Ouais. Non. Je sais pas où t'es. Là. Il faut que tu lâches ton jeton. J'ai lâché mon jeton. Ah, bon, tu vois toujours au même endroit. Une pièce, bah, enfin. C'est juste sous par rapport à là où t'étais, j'imagine. Enfin. En fait, si je vois pas ton perso, je peux pas te dire, mais normalement, oui, c'est une porte. Si c'est un rectangle qui est un peu plus large que le mur, c'est une porte. J'ai pris le. Là. Ah, c'est bon, là, je te vois, ouais. Bah oui, c'est une porte. Et bah, j'ouvre la porte. Très bien, bah, tu te retrouves de l'autre côté. Félicitations. Voilà. GG. Ouais, j'ai passé. Non, mais tu peux précipiter mon hôpital aussi. Ah, oui. Du coup, je fais quoi? Tu utilises ton action pour courir, pour faire le double de ton mouvement. Et après, t'es bien là, parce qu'ils t'ont pas remarqué encore, donc ça doit te voir aussi. J'avance là, et je me planque ici. Voilà. Bah, discrétion, alors. Non, j'ai poussé. Très bien. Eh ben, je vais faire un trait de feu sur le premier qui est ici. Hop, tac. Très bien. Et tu vas le rater, tu vois comment tu lances, tu commences à dresser tes mains en l'air et il met son gros bouclier devant lui. Et la petite étincelle que tu lui jettes ne le touchera pas. Kazuga. Bah je vais tester la défense comme on dit. Je dégaine mon épée rapidement et je tranche ma technique qui me rassure quoi, mon coup sûr. Vraiment. Très bien, ça marche. Tu avais trouvé dans sa défense ce qu'il faut et tu le tues en un coup. Oh là, dès qu'on avait gagné la première fois qu'on les avait rencontrés. C'est quoi des hobgoblins C'est des hobgoblins normaux, c'est pas ma faute si vous avez des persos craqués. Léo, c'est à toi. Bah, du coup, moi je vais le tâter aussi de ma lame un peu. Bon, bah... Et tu vas aussi le one shot, fin du combat, bien joué à tous. Ok. Ouais, ils ont appelé dead quoi. Rendez-moi des brindilles. Ouais, ils ont appelé du renfort donc on reste attentif au. Ouais, voilà. Tout ce qu'il arrive, tout paniqué, il ouvre le rideau, c'est moi, j'arrive. Ah. Il y a plus personne. Bon bah je piétine les adversaires qui sont devant moi. Attends mais piétinez pas les nains, les. Ah oui. C'est un peu le problème quand ils ont des persos trop forts. Normalement le brindon c'est censé être dur à battre. J'ai piétiné et ont détruit. Ta zone de fouille. Voilà. Hop, perception. Voilà. Là, ça n'a pas marché. Hop, on recommence. Voilà.
Ouais, y a pas grand-chose. 10, ouais. Bon. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas cette porte qui est là, là ? Je suis d'accord. La porte qui est en bas ? Non, au-dessus des gobelins. Celle-là, là, on continue sur... Ah oui, ça me va. Et quand je fais un jet de perception, ouais. C'est juste pour la pièce où je suis ou c'est pour les deux, là ? C'est où ? Ouais, c'est... Ouais, c'est oh. Mute. Ah. Pardon, j'étais muté. C'est pour les deux, ouais, c'est pas des pièces très grandes. D'accord, ok. Et donc, ben, ce n'est pas un problème. Et là, vous êtes où ? Vous êtes là ? Est-ce que tu trouves quelque chose ? Non. Trouve rien. Ok. Et ben, du coup, moi, j'ouvre la porte. Et là, je pousse tout le monde pour arriver devant, pour pouvoir avoir un peu de baston. Dégagez ! C'est pour les autres. Tac, tac, tac. Très bien, très bien, très bien. Alors attends, juste que je vois... Hop, éclairage. Bah tu ouvres la porte et tu te retrouves nez à nez avec pas mal de monde. Ah. Et vous allez de nouveau me lancer l'initiative. Salut, Nounou. Et vous voyez effectivement derrière un petit goplours un peu gros. Très très volumineux. Et qui est assez âgé. Vous voyez qu'il est un peu courbé, mais il a quand même une masse musculaire assez, assez impressionnante. Et puis vous l'entendez dire... Qui ose déranger le roi Groll ? Oh, mais on t'appelle direct sur le roi Groll. Direct. 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 Oh non, on n'aura pas notre temps. Et moi j'ai fait. Moi j'ai fait le 22. La réussite parfaite. Ah, oh, c'est pas possible. C'est dur. Oh, l'MJ va faire 5 encore donc. Ouais. Je vais claquer du coup une armure de mage, hein, parce que du coup on est fait un repos à Fandaline. Ouais, effectivement. Bah là pour l'instant tu fais rien du tout parce que c'est pas ton tour. t'avais pas fait à l'entrée du. Mais je l'avais fait quand. Relancez votre initiative, vous prenez la bonne valeur, mais Mais parce que j'avais pas viré les autres, il me semble. Ah si, peut-être je l'avais fait, bah désolé si c'était le cas. Bah, pour nous c'était vide après. Ouais, bah non, mais c'est par automatisme, j'ai revidé, je ne sais pas pourquoi. Putain, ils ont plus leur initiative d'habitude. Bah, du coup, c'est que. Attends, je reste à deux, c'est pas possible. L'éternel perdant. Ah, pourquoi je peux pas changer ? Reste derrière, hein, t'es plus hélas. Voilà. Mais non, ça veut pas me changer, moi, quand je le mets, 22. Non, c'est que tout le monde change. Non, je t'ai pas assez de la tétaille, t'as un peu. Ça, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, mais attends, deux fois initiative 2, quoi, dès que je suis loin. Attends, mais y'a le boss qui a 20 ans. Ah, le boss il a fait 20. Et il est coincé, ça tombe bien. Ouais, enfin là. Tu sais qu'il va se retrouver coincé là, ça va être moi dans l'histoire. C'est vrai que tu vas prendre cher peut-être là. Eh ben, tu fais le tour, c'est comme moi. La prochaine fois, qu'il a quoi plus 4. Les portes, mais bon, il va aussi. J'ai toujours le malin à ouvrir les portes devant là, mais. Non, j'ai ce qu'il faut pour me défendre. Mais... Ah, y a des loups. Ah, y'a un loup. J'en vois un en tout cas. Elenae, est-ce que tu vas essayer de sauver ce pauvre loup ? Est-ce qu'on a vraiment le temps de te poser la question ? Je crois que je suis la seule personne à voir ce PNJ là par contre. Ce PNJ là, je me demande ce que c'est. Alors déjà, au moment où tu ouvres la porte, bah, tu vas voir le loup qui va te sauter dessus. Ouais. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oh non. Dans l'ordre, mais... C'est pas dans l'ordre, ouais, puisque ouais, moi je suis pas dans l'ordre. Ouais. C'est juste qu'ils se tenaient prêts lorsque quelqu'un allait ouvrir la porte à attaquer. Donc ils ont un tour d'avance. Très bien, donc tu vois le loup qui te mord, t'arrives à mettre ton avant-bras devant, mais il va quand même te croquer, ça va te faire assez mal, tu vas prendre 6 points de dégâts. Mais cependant, tu as de la chance, il n'arrivera pas à te mettre à terre. Et les deux hobgoblins derrière vont essayer de te mettre un coup. Parce qu'il se préparait aussi, mais ils n'y parviendront pas. Enfin, il n'y en a qu'un seul qui le fait, mais il n'y parviendra pas. Ouais, non. Qu'est-ce que je... Ah oui, non, voilà, c'est lui. Et tu vas voir le roi Groll, lui, te lancer
un terrible javelin et t'as le temps de te... tu as tourné la tête une microseconde pour l'esquiver. Il te frôle la tête, il a failli te toucher aussi Kazuga, mais il ne te touchera pas. Et vous voyez qu'il vient se planter dans le mur derrière. Il se plante dans un mur en pierre, vous voyez que la personne qui l'a lancé est plutôt énervée. Afir. Attends, non, c'est pas Elenaï d'abord. Elle a 22. C'est Elenaï, ouais. Il faut que tu remettes. Ah oui, parce que t'as changé après, pardon. Elenaï, excuse-moi. Mais après, ça avait été remis à 17 alors que je l'avais déjà mis 22, donc je l'ai remis. Bon, bref. Ça marche. Je vais faire une armure du mage déjà, du coup, pour remettre mon armure. Ok. Parce que ça me compte l'action, du coup, j'imagine. Oui, ouais, tout à fait. Très bien. Fier, c'est à toi. Je vais me déplacer à ici et je vais balancer un petit fracas. Ouais. Fracassement des familles. Fracassement, ouais, voilà. Ouais, j'avoue, ça a touché tout le monde. Exactement, c'est ça que je pensais. Je pense le balancer sur le chef, quoi. Ah, mais tu le centres sur quoi, du coup? Bah, sur lui, je crois que c'est bon, normalement. Okay. Non, ouais, ça prend quasiment tout le monde, quoi. 3 mètres, ça prend tout le monde, ouais. Enfin, ouais, tout le monde, je vois en tout cas. Pas dégueulasse. Ils vont tuer Gundren, hein? Alors, fiche. Malheureusement. Fracassement. C'est dégueulasse, quoi. Tac, tac, tac. C'est abusé comment c'est dégueulasse. Ah, mais 3d8 en plus, ça, les d8, c'est... Tac. Alors attends, du coup, faut que je fasse le loup. Alors attends, c'est quoi? Dextérité. Non, constitution, pardon. Ouais. Ok, donc le loup, il rate, il prend 6. Ouais. Ensuite, les deux hobgoblins. Ils sont là. C'est des hobgoblins. C'est pour ça que c'est moins résistant que les gobelours. Ouais. Il y en a un qui réussit. Donc lui il réussit, donc il prend 3 et l'autre il prend 6 aussi. Paf! Ah merde, il y en a encore un autre. Tac. Il réussit. Qu'est-ce que je me pose? Qu'est-ce que c'est? Passe un passage, Léo. De quoi? Faut qu'il fasse un passage. Bah ouais, mais là ça va être... Et en action bonus, je vais donner une inspiration à Léo. Très bien. Du coup... Eh ben le roi Groll, il va lancer de nouveau un javelin que vous allez arriver miraculeusement. Ah oui, maintenant je suis derrière. Esquiver. Je suis sur la trajectoire. Les hobgoblins, il y en a un qui va aider l'autre à te frapper. Et même avec ça, ça ne marchera pas. Oh, pauvre deux. Léo. Attends bien, avant d'annoncer annoncer une réussite ou un G. Parce que Léo peut utiliser son inspiration pour augmenter sa CA. Très bien. Bah, et il faut qu'il le dise avant. Avant qu'il sache. Annonce-le, ouais, avant l'énoncé du résultat. Bon, bah, je t'ai annoncé que le loup t'attaque. Est-ce que tu souhaites lancer les dés? Non. Très bien. Pas... Bah, tu vas prendre 7 points de dégâts et me lancer un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Ok, bon. 7. Alors, voilà. Force. Et tu es mis à terre, malheureusement. Bon, après, ça va, juste après, tu peux te relever. Donc, hop. Et bah, du coup, je vais tenter de me relever, hein. Bah je me relève en fait, c'est une action, c'est quoi c'est une action C'est la moitié de tes points de déplacement. Ah ouais. Alors, je vais tenter de faire un roulé-boulé pour arriver dans l'autre côté de la pièce. Ah t'es chaud toi donc peut-être. Là j'ai très chaud. Très bien, bah c'est quoi? C'est les bugbear. C'est dextérité du coup. Vas-y, fais-moi la dex. Fais 19 et tu fais 20. Bah tu arrives de l'autre côté. Ok. Donc alors je me mets là. Un petit roule-boule en diagonale. Donc Kazuga, tu vois que
que le roi Groll, en fait, sur, il a un gros bouclier en fait qui est fait de d'os et de plein de morceaux de métal différents, et en fait tu repères qu'en plein milieu de son bouclier, en fait il se sert un peu de ton armure comme d'une partie de son bouclier, tu vois. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu le repères, au début tu vois un petit truc, t'es pas sûr, et en fait tu vois un peu quand il bouge et tu reconnais bel et bien ton armure en plein milieu de son bouclier. Putain de bouclier. Du coup, je vais profiter que je suis de l'autre côté pour mettre un coup dans le l'ours là. Ah, par contre, tu te mets vraiment là où t'es ? Ouais. Parce que ouais, Bah, du coup, tu prends une attaque d'opportunité de. Ah, du loup si je fais ça ? Bah, du loup et du hobgoblin. Et du hobgoblin qui est là, quoi, du coup. Mais le hobgoblin qui est là, je. Non, mais si je fais ma roulade, je peux pas faire ma roulade en diagonale là. Ouais, si tu veux. Bah, mais le loup, il te fait. Bah, le loup quand même, quoi. Ouais, en vrai, non, au pire, on va faire simple. Hop. Ok. Au milieu, là. Et je vais tenter de mettre un châtiment lumineux sur le boss. Châtiment lumineux. C'est-à-dire, la prochaine fois que vous touchez une créature, que le sort prenne fin, votre arme rayonne, impact 2d6, dégâts radiants supplémentaires à la cible qui devient visible. Ok, c'est juste ça te fait des dégâts en plus et elle devient visible. Ok. C'est ça. Et pourquoi il y a un truc de sauvegarde à faire ? Il n'y en a pas en fait. Est-ce qu'il y a un truc de sauvegarde ? Non. En bas il est marqué, mais c'est juste pour dire ok, moi bon, ça marche. Ah non, c'est le truc de base du sort. Ok, ok. Hop. Est-ce que ça touche 22 ? Il y a de fortes chances que ça touche. Oui. Et donc, attends, ce que je me perds avec les trucs. Ah d'accord, ok. Alors du coup. Est-ce que ça marche ? Merde, alors attends. Je vais lancer à la main et donner 6, j'ai oublié de les paramétrer. Hop. Oh, GG ! GG ! GG. Du coup, je lui mets un beau 23 dans la 3. Très bien. Bah, tu lui mets effectivement un méchant coup qui. Il met son bouclier devant lui pour bloquer. Et en fait, tu lui mets un premier coup qui lui fait tomber sous la force le bouclier. T'en profites pour lui mettre un deuxième coup au niveau de l'épaule. Tu lui mets une grosse entaille. Kazuga. Bah, je m'avance du coup. Et je vais. Je vais mettre un premier coup de katana. Et ça touche. Sur le hobgoblin qui est devant toi, j'imagine. Ouais. Très bien. Et bah, tu vas le tuer. Alors qu'il se retournait pour voir, sous les cris de douleur de son roi, il se retournait pour voir ce qui se passait. Et t'en profites pour l'assassiner, en fin de compte. Attends. Bravo, c'est pas très digne d'un samouraï, ça. Non, il a fait une erreur, il a détourné son regard de moi. Il a fait une erreur, effectivement. Qu'est-ce que tu souhaites est-ce que tu veux te déplacer encore ou... Je vais me déplacer d'une case, histoire de laisser de l'espace un petit peu aux gens et pouvoir encaisser un petit peu. Et je vais. Est-ce que je prends le risque pas de prendre une attaque d'opportunité pour laisser plus de place à Kroos qui me pousse derrière, je sens qu'il me met des coups de coude. Bah ouais. Je vais prendre le risque de prendre une attaque du loup. Et je vais me mettre là. Très bien, et le loup va te toucher pour 6 points de dégâts alors que tu te décales et tu tombes au sol, puisqu'en fait il te chope au niveau de la. Il te chope au niveau de la cheville, et du coup tu tombes en avant. Je fais un jet de force pour. Ah oui, pardon, ouais, Il te touche, il fait 6. Ouais, sauvegarde de force, s'il te plaît. Et tu ne tomberas pas, effectivement. Mais il te chope la cheville et tu bouges un peu la jambe et finalement, t'arriveras à ne pas tomber. C'est quoi ce loup ? C'est quoi ce loup ? Krusk, c'est ta tête. Vénère, ouais. Vénère ! Ouais. Bah, tu vois Grog qui le félicite, fait bien joué, grognement ! Ah bah, bravo, oh, encore un an stupide. Je vais avancer jusque-là. Je vais claquer une rage. Petit coup sur le museau, là. Et je vais taper, bah, du coup. Vu qu'il y a trop de monde devant le chef, je vais taper le loup. Non. Alors là, franchement, mais rien n'a pété. Désolé. Et ça va toucher. Cool. Ouais, je fais sans rage. 16 points pour le loup. Baboum. Et vous avez effectivement entendu. Et le loup va tomber sur le côté complètement. Alors, complètement.
complètement ouvert en deux. Je vais me bouger. Direct à la jugulaire. Je vais prendre une attaque d'opportunité de celui-là, là. Parce que je vais me bouger. Tu vas te bouger où? Et je vais me mettre là. Ah oui. Attends, c'était quoi ce que sous toi d'ailleurs? Il y avait un token, non? Vous verrez ça plus tard. Du coup, tu prends l'attaque d'opportunité du... Ah, attends, de celui qui est à côté de la porte. C'est peut-être notre employeur. Non, là, il y avait un PNJ, j'ai vu. Ça ressemble... Non, très bien. Elena, c'est à toi. Et ben, est-ce que de là, j'aperçois un peu le token du roi, mais pas totalement. Il faut que je me déplace ou je peux... Faut que tu te décales, ouais. Ouais, tu peux te mettre devant moi, de toute façon. Ouais. Hop, je vais mettre là. Donc, je vais faire un petit sursaut de magie sauvage. Ah, il se fait claquer. Voilà. C'est l'heure de la boule de feu magique. C'est un peu ça. Donc, je ferai mon petit dé après. Je vais lancer, donc, du coup, un éclair de sorcière. Pourquoi éclair de sorcière. Je couds sur le roi. Hein. Ouais. Ah. Et hop, tac. Ah, ça va arriver. 12 sur un des 12. C'était beau, ça. C'est beau. Voilà, et donc il faut que je fasse mon défense. Ouais, mais ça sert à rien, puisque dans tous les cas, ton attaque ne sort pas, donc les dégâts ne servent à rien. Ah ouais, ça touche pas 15. C'est relou, quoi. Attends, il est comment? Il est costaud, lui. Et là, il faut que je... Oui, bah tu lui as mis un petit 30 quand même, donc... 23, hein. Faut que je fasse mon dessin, c'est ça du coup là? Non. Ouais. Ouais, vu que t'as directement lancé le truc, tu lances le dessin. Ouais. Et que se passera-t-il? 20. Vous lancez le sort graisse centré sur vous-même. Donc voilà. Graisse, bah vous allez. Tu vas me faire un jet de dextérité, ce qui me semble que tu peux tomber au sol avec ça. Dextérité. Sauvegarde. Du coup, moi aussi, parce que je suis derrière, je crois que c'est... Oui, non, mais c'est, bah, c'est que... Alors, une graisse visqueuse recouvre le sol sur un carré de 3 mètres de côté centré non, sur un là. Point. Je suis trompée, c'est apparaît, ça. Chaque créature se tenant debout doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité sous peine de tomber à terre. Et voilà. Une créature qui rentre dans la zone doit également faire le jet de sauvegarde de dextérité. Et vous réussissez tous les deux, donc personne ne tombe. Vous glissez un peu sur place, mais vous arrivez... vu que le couloir est assez étroit, vous agrippez à un mur. J'ai pas lancé. On n'a pas tombé. Fait tu l'as pas fait tomber. Ah oui, pardon, j'ai vu dextérité et sauvegarde dex. Bah toi, tombes au sol, du coup, comme une grosse merde. Mais c'est ton tour, donc tu peux te relever pour la moitié de ton déplacement. Je me relève pour la moitié de mon déplacement. Je fais merci Elenae pour cette belle bouse au sol, quoi. Sachant que t'es un peu tout sale parce que t'es recouvert de graisse, quoi. Maintenant, on t'a jamais demandé de chier par terre, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Et je vais lancer un murmure dissonant sur le boss. Allez, un petit murmure dissonant, fiche. Il est où mon petit murmure? Il est là. Donc DD13, sauvegarde de sagesse. Sinon, il prend la moitié des dégâts, c'est ça? Sinon, c'est la moitié des dégâts, oui, pardon, effectivement. Ok, eh bien, il prendra donc la moitié des dégâts. Très bien, eh bien, c'est à lui de jouer. Et donc, mon cher Léo, tu vas prendre un 18 de dégâts, s'il te plaît. Alors qu'il reste... 18, bon, bah, je suis pas prêt, hein, comme les PV en disent. Par contre, je lui fais ça avant. C'est en réaction quand on t'attaque. Ah oui, la représailles infernale, ouais. Il sort d'où les 3 de radiant? Ah, il n'y a pas les 3 de radiant. J'ai oublié de décocher. C'est sûr, faut que je pense chaque fois à décocher les cases. Donc, bah, s'il réussit son jeu de dextérité, il se prend 10. Et bah, tu vois qu'en fait, au moment où il abat son marteau sur toi, il est pris par les flammes et il meurt tout simplement. Vengeance devant vos sorts complètement pétés. J'ai tout ça. Hop. Et je suis pas frais du tout. Tac tac tac. Du coup, alors attends, merde, j'en suis où dans ma... T'as pris cher, Léo? Il a pris très cher. Ouais, vous voyez vraiment. Enfin, toi, du bout de la rue, tu sais même pas comment il a survécu au coup, parce que t'as le roi Groll qui lui a fracassé le... Fracassé, tu vois, limite, Léo est limite tombé au sol sous la puissance du coup.
Et tu sais même pas comment le roi Groll a pris feu et est mort juste après ce coup-là, mais pour toi, Léo est décédé, quoi. Mais tu le vois un peu bouger, ça t'étonne un peu. Mais pour combien de temps, on ne sait pas, puisque... Pardon ? Ne m'enterre pas trop vite. Non, je ne t'enterre pas trop vite, mais t'as quand même un gobelin qui te met un œuf de dégâts. Bon, bah, enterre-moi, du coup. Voilà, vu que tu as tué leur roi, ils sont très en colère contre toi. Et maintenant que tu es décédé, c'est Kazuga qui va être la cible des attaques. Tu as combien de CA, mon cher ? 16. Eh bien, tu vas prendre un pauvre 2 points de dégâts. Tu vois que les gobelins sont rentrant... Ah, il y avait le petit Krouskouk, si j'aurais pu faire... rentre en rage devant ça. Et... tac, tac, tac. Et ce gobelin va se mettre là. Le loup, il est mort, on va le virer. Léo, tu vas me faire un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît, sans faire d'échec critique. Non. Ok. Une réussite. Kazuga, c'est à toi. Alors, j'ai donc Léo qui vient de s'effondrer devant moi. C'est quoi ça là ? C'est un nain mort. Il est. C'est notre. C'est Gwengren. Sûrement. A priori, ouais, c'est un peu difficile de le reconnaître parce qu'il est bourré de bleu et. Est-ce qu'il a l'air d'avoir du sang qui coule encore ou il a l'air d'être mort depuis longtemps ? Il a l'air d'être mort d'un fracassement. Effectivement. Donc il a pas l'air d'être mort depuis très longtemps. Ok. Si, bah, du coup, je crie on l'a besoin d'ici, il nous faut un soigneur. Et je me baisse et je vais donner une de mes potions de soin. C'est vrai que. Ça, j'avais une potion de soin. Ma potion de soin, pardon. Parce que j'en ai qu'une. Pourtant, mon fracassement, il était pas si mortel que ça, quoi. En même temps, il était humifié. Peut-être qu'il était blessé, mais son âge ouais, il était blessé. Ouais, c'est pas grave. On va le sauver. Du coup, c'est à toi que je disais ça. Hein. Bien sûr. Caris, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. On a besoin de médecin ici. J'ai bien compris. Et du coup, je lance 2d6. 2d4. Désolé. Non, mais au moins, je retombe sur pied, quoi. Elle a été frelatée. Je retire cette énorme croix de Léo qui se sent beaucoup mieux. Je vais utiliser Segundo Burasu pour attaquer le gobelin en face de moi. Très bien. Et ça va passer. Il y a un plus 2 quand même, 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Beaucoup trop et tu vas encore une fois le tuer sur le coup. Ces gobelins ne sont pas de taille face à Kazuga Tetsuo. Je me flatte. Point faible, pas de point faible. Krusk. Et bah je continue sur ma lancée. Ma petite hache à deux mains, chérie. Et bim, 23. Ta touche. 7. C'est rageant, donc c'était jet de D12, ils sont vraiment minables à chaque fois. Ouais. Ouais, c'est clair. Effectivement, tu lui mets un coup qui le sonne pas mal, mais il est toujours debout. Et là, vous allez voir... Qu'est-ce que tu vas pas voir, mais tu vas entendre en fait par derrière, voir un drow sortir de la pièce qui va t'infliger... qui va essayer de te mettre un coup de dague, mais il va pas y parvenir. Et il va en mettre un autre ouais, sur Léo qui va te toucher pour 6 points de dégâts, donc tu vas de nouveau tomber à terre. Bon bah là, on est reparti pour un tour. Reparti pour un tour. Elena, c'est à toi. Et bah je vais lancer un petit orbe chromatique sur ça. Sur celui-là. Hop. Et tac. Level 1 suite. Voilà. Je vais lui mettre des dégâts de feu. Ça n'a pas d'impact, il va mourir. Bah il va brûler vif du coup. D'accord. Si c'est de feu, il va brûler. Je passe mon petit D20. Hop. 7. Hop. Toujours pas. C'est raté. C'est assez dur à faire, mais peut-être qu'un jour ça marchera. Ah c'est dur. C'est dur. Du coup, Afir, c'est à toi. Ouais.
Ouais. Pour que tu commences à comprendre comment se déplacer dans toute cette graisse. Effectivement. Je vais me déplacer déjà jusque-là, quoi. Est-ce que, du coup, dès que je me déplace, il faut que je fasse un jet de dextérité, on est d'accord ? Non. C'est quand tu... la zone apparaît ou quand tu rentres dedans. Et tant que t'es dedans et t'as réussi, c'est bon. Est-ce que ici, je peux faire en diagonale ? Pour éviter de me prendre... Ah ouais, non, de toute façon, je me prendrais, quoi qu'il arrive, une attaque d'opportunité, quoi. Ouais, bah sauf si t'avances d'une case, mais sinon... Ouais, je vais m'avancer ici. Allez. Je vais m'avancer ici. Désolé Léo, mais priorité à la thune. Et je vais lancer un healing word sur notre employeur. C'était plus urgent sur. Oui, c'est pour ça. Ça fait plus longtemps. Donc petit healing word sur un petit pas si petit que ça, un 7, la max. Sur notre employeur. Très bien. Tu vois que le sort a l'air de marcher, ce qui reprend un peu des couleurs et tout, mais il a l'air d'être toujours inconscient. Ouais, ok. Et en action bonus, je vais donner une inspiration bardique à Tatsuo. Peut-être que je lui avais un peu marché sur le coin de la tête aussi ou non. Oui, c'était pas gentil de ta part d'ailleurs. C'était pas très sympa. J'avais pas remarqué ce que c'était en fait. Ah non, un gobelin pour toi, c'est tout simple. Avec une grosse croix, se prendre la tronche, c'est compliqué. Bien joué. Et fin de mon tour. Bien joué. Et bah, du coup, c'est le moment où je fais un critique sur mon jet de constitution. Oui, non, mais une réussite, c'est déjà bien. Kazuka! Ok, du coup, toi qui tue Léo, ce qui me met fort mécontent. Et alors, à chaque fois, je confonds second souffle et sursaut. Mais c'est pas un second souffle que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est un sursaut. Ouais, c'est un sursaut, parce que le second souffle, c'est pour ce souhait. Et je vais utiliser cette fois un esprit combatif. Un de mes trois esprits combatifs pour tenter un katana, maître du katana avec avantage. Et faire ma tornade gelée. C'est dommage. Qui va lamentablement rater. Tu vois que l'adversaire qui est face à toi est beaucoup trop vif, il se laisse pas avoir par tes simagrées. Krusk. Bah, je vais me rapprocher. 1, 2, 3, 4. Je vais me poser là. Et pareil, je continue. Et cette tape. Peut-être tu vas arriver à lui mettre un. Oh, ça c'est beau ça. Un petit 16 points de dégâts. Un petit 16. Ça fait plaisir. Tu vas arriver effectivement à lui mettre un gros coup de pression. Quand tu arrives par derrière, tu lui mets un très très violent coup. Tu vois qu'il arrive à l'esquiver au dernier moment, mais que ça le surprend et qu'il perd un peu sa présence dans le combat. Quoi. Il est beaucoup moins concentré désormais. Et Naé, c'est à toi. Ah, moi, il va falloir que j'avance. Est-ce que je peux passer à travers là, hop, et rentrer ici ? Bah, t'auras une attaque d'opportunité. Quoi. Non, tu prendrais une. Ah non, elle prend une attaque d'opportunité. Ah, mais elle range. Ouais. Ici, elle se prend l'attaque d'opportunité. Ouais. Tu peux te mettre sur Léo si tu veux. Oh, je peux me mettre dessus, ok. Si tu veux pas prendre l'attaque d'opportunité. Mais après, t'es à portée d'attaque du monstre, c'est que c'est toi qui veux. Si bah, c'est toi qui veux. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça peut te prendre une attaque d'opportunité ? Allez, pousse-toi, Léo. Ouais, je vais me remettre ici, c'est bon. Et puis, bah, du coup, je vais attaquer celui-là et je vais lui faire une éclair torsière sur la tronche. Ok. Avec des avantages. Avec des avantages. Ouais. Du coup. De toute façon, 14-14. Et tu vas le toucher pour 3 points de dégâts. Si tu fais des attaques à distance, corps à corps, ouais. Tu as des avantages. Donc, corps à corps, ce que tu peux faire, c'est des trucs comme je fais avec des sauvegardes. Des sauvegardes. Ça, tu peux le faire quoi qu'il arrive au corps à corps. Ça change. Quoi qu'il arrive, il aura une sauvegarde à faire. Mais par contre, tout ce qui est attaque à distance au corps à corps, c'est un désavantage. Ouais. Du coup, tu vois qu'il essaye de. Après que tu l'aies touché avec ton sort, il essaye de te frapper, mais il n'y parvient pas. Il y a Kazuga et Afir qui te protègent. Et d'ailleurs, Afir, c'est à toi de jouer. Non, attends, j'ai mon D20 à faire. Ah oui, D20. Mais bon, vas-y. Ça passe pas. Ok.
Et bah je vais faire un soin niveau 2 à notre ami Léo qui est au sol. Et qu'on a poussé pour pouvoir passer. Tac, soin, et je crois que je double mon dé, je crois, c'est ça. Hein, quand je mets niveau 2. Je sais pas comment ça se passe quand tu restes quelqu'un. C'est plus 3 dé, ouais. Mais sans le plus 3. Ouais. C'est comme je reviens quand je suis soigné. Oui, mais sur quelle case, quoi. Enfin, je pense que c'est toi qui vas changer de case, du coup. Ah, bah là où je suis, du coup, je dirais, mais oui, c'est vrai que. Bah, tu vas. Ouais, là où t'es. Enfin, en fait, tu peux te glisser où tu veux, quoi, mais tu pars en te traînant au sol. C'est ça. Avant de te relever. Donc, 12 PV. Et ce sera tout pour moi. Voilà. Logiquement, tu rentres sous la table, là, normalement. Mais c'est à toi de jouer. Je me colle la tête et je retourne. Et ben, du coup, je traverse tout le chemin. Je lui mets la malédiction. Et je vais tenter de l'achever. 12. Est-ce que ça touche 12? Non! Tout ça ne touche pas, il arrive à t'esquiver d'une manière. D'une belle manière d'ailleurs. Vous voyez qu'il est vraiment très 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 agile. Kazuga, c'est à toi. Ouais, donc il est très agile. Je vais utiliser un autre esprit combatif. Cette fois, je vais utiliser un mana avec avantage. 8, 1. 6, 7. Ok, ça touche. N'oublie pas que t'as une inspiration bardique. Ah, bah je rajoute mon inspiration bardique sur les dégâts. C'est un des combien? Tout à fait, un des 6. Tu peux rajouter l'inspiration bardique aux dégâts? Ouais, parce que j'ai pris le truc qui permet de le faire. Ok. Très bien, et bah tu lui mets des gros dégâts et crouse que c'est à toi. Allez, je vais le finir là. Alors. Ou pas. J'ai de la motivation. Tout à fait. Tes coups sont trop ballons. Bah écoute, c'est un elfe noir. Je me demande si c'est pas l'araignée noire. Peut-être. Il va mettre un coup sur toi, Léo. Tu vas prendre 10 points de dégâts et il va mettre un deuxième coup sur Kazuga Tetsuo. N'oublie pas que t'as aussi ton truc pour la CA. C'est un D6 supplémentaire quand même. Ouais, mais c'est pas à toi de le dire. Si c'est son tour, c'est à lui de le savoir. Et du coup, tu ne prends pas les dégâts, Kazuga. Tu vas réussir à bloquer le coup. Et Elenae, c'est à toi. Je me décale là, je me prends un coup d'opportunité. Oui. J'avais ça pour dire défense, j'ai pas pu. J'ai rien en contact. T'as déjà ton doigt de sorcière qui est en concentration normalement. Tu peux pas. C'est pas ça? Ah non, mais il était passé tout à l'heure mon sort. Je crois qu'il était pas passé. Il est passé. Ah bon, bah alors je fais rien alors c'est bon. Et donc là il faut juste que je refasse les dégâts, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ouais. Unlimited power. Oh. Ça a marché. Oh, 4. Ouais, 4. Très bien. Ouais, vous voyez qu'il. Comme s'il prenait un micro coup de taser, mais vraiment un truc à pile, quoi, c'est pas vraiment. Hein. Pas vraiment très puissant. Et Afir, c'est à toi. Je vais attaquer avec ma rapière. Non. Ah, ok, non. Donc, j'attaque, mais à côté, quoi. Et en action bonus, je vais faire un healing word sur Léo. Putain, j'ai l'impression d'être. Je vais essayer de te maintenir. C'est ça, les sorciers au corps à corps aussi. Ah ouais, non, c'est risque. Fiche. C'est vrai que je tape fort, mais je suis pas très résistant. Soin, mot magique. 1-4. Merci bien. N'oublie pas, t'as une inspiration bardique. Je te dis, ouais. Oublie pas mon inspiration bardique, Léo. Et Léo, c'est à toi. Et ben du coup, je tape jusqu'à ce qu'il meure. Effectivement, tu le touches. Et ben... Pour 12 points de dégâts. 12 ou... Non, les deux, on prend. Les deux, ils prennent, ouais. C'est la mec sur la lame maudite. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Et ben c'est tout. Je me prépare à recevoir son coup et utiliser mon inspiration bardique. Très bien. Kazuga, c'est à toi.
vais faire mon second souffle. C'est Gundo Sao. Secondo du japonais pour dire second, évidemment. 3 et 3, 6 points, 6 points de vie. Et j'attaque avec mon katana. 7. Et il va réussir à assez facilement bloquer ton coup, alors que Krusk a tenté de lui mettre un coup de hache dans le dos. Va tenter, oui, parce qu'il est un peu vexé quand même, il y a beaucoup d'échecs. 14. Et ça passe. Cool. GG. Allez. Oui, allez là, les dégâts qui sont... Dis-moi comment tu l'achèves du coup. GG. Je prends ma hache, je la fais tournoyer au-dessus de ma tête. Yes. En hurlant comme un burin, tu m'énerves, ça fait trois fois que j'ai été tapé, tu m'esquives. Et je l'enfonce du haut en bas de son crâne jusqu'à arriver jusqu'à la pointe de ses orteils. Je fais, et là, tu l'as senti passer celle-là? Il ne sera pas capable de te répondre et curieuse chose, vous allez voir qu'au moment où, il meurt en fait, bon bah même s'il est coupé en deux, vous avez chaque partie de son, enfin vous avez son corps qui se transforme et qui ressemble un peu plus à ça désormais. Alors j'ai une question du coup. Oui. Ma malédiction de la maudite, c'est quand la cible meurt, je regagne des PV. Oui. La cible est morte. Comment tu le gères du coup? Bah là il est mort. Non, il se transforme pas. C'est juste là son corps. C'est plus un draw et vous voyez qu'en fait il se transforme comme ça. Mais là il est. Ok, c'est nuit. Il est bien mort. Il est bien mort. Et donc cette magie. Ok, je croyais qu'il était pas mort. Vous voyez tout son corps effectivement qui se change. Eh bien, félicitations, vous avez vaincu le roi Groll. C'était The Game Next Door, franchement. C'est putain, clair. Ça a été rapide. Vous avez vaincu le roi Groll. Merci Crevé. Ses camarades. Merci Crevé, hein, effectivement. 10 pièces d'or bien investies. Et voilà, sur ce combat dantesque, je pense que nous allons finir cette jolie session. Ouais. A priori, vous avez retrouvé votre employeur que vous avez tenté d'assassiner tout de même. Mais je savais pas qui était là. Pour ma défense. Ouais, j'avais vu, je me suis dit, putain, qui c'est ça. Et du coup, et bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, cette petite session. Et la suite la semaine prochaine. On a juste perdu du temps. Allez, merci. Merci.